Django! You black son of a bitch! Dear Sam, people. Ça marche ou pas? Gang, 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 gang. Ça marche ou pas? Ouais, ça a l'air de marcher. Oh, sorceleur, comment tu vas? Non, attends, on va mettre un truc moins violent là. On va se calmer doucement. On va rester sage. Bon, on va démarrer là. Il est où Saro Gang? Il est où Saro Banks là? C'est quoi ce bordel? Il va nous mettre en retard. Oulou, gang, 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 gang. Saro gang, gang. Gang, 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 gang. Gang, gang. Saro, Saro. Oh, oh. Ça va ou quoi?
Putain, hé hey. Je suis rentré en balle pour toi, hein. Je suis rentré en balle. Toi, tu sais pas, toi. J'étais là, boum, 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 boum. Vite, vite. Bip, 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 vite, vite. Il y a Sarou, là. Sarou, il doit passer au sol contre tous. Vite. So comment, Sarou gagne? So comment? Déjà, tu vas commencer par venir en vocal. Tu vas pas commencer à faire le fou. Hein? Je peux pas me faire flasher, c'est moi flash. Sarou gang, Sarou banks, banks. Je peux pas me faire flasher. C'est moi flash. Comment tu veux que je me fasse flasher? Ah, la question. Ah, ah. Hein? Les gens ils savent pas. Les gens ils savent pas. Bon, vas-y, Sarou, je vais te call. Tu connais, on va pas perdre de temps. On passe aux choses essentielles. Vocal, non, je t'ai appelé direct en... Attends. Je t'ai appelé direct en... Dans le message, oui. Tu m'entends ou pas, là? Ah non, mais attends. En fait... Eh, vas-y. Eh, Discord, il a trop foutu la merde. Attends. Voix et vidéo. En fait, j'ai fait la mise à jour... J'ai fait la mise à jour Windows... haut-parleur test, j'ai fait la mise à jour Windows et il a niqué tous mes bails. C'est juste en faisant la mise à jour Windows. Ah voilà, ça va ouais, quoi là, tu m'en... ouais, la forme, et toi? Ouais, je sais pas, je suis rentré, j'allume le PC, je vois mise à jour Windows 10, je sais pas quoi, 90%. Je lance le PC, tous mes pilotes, je sais pas, ils ont été remis à zéro, je sais pas quoi. Ah ouais, non. Windows, il fait sa vie. Voilà. Du coup, c'est là. Ça va couler. Faute d'avoir Guilty, autant t'as fait. C'est vrai. Faute d'avoir Guilty, c'est vrai, c'est vrai. Autant t'as fait les bonnes choses. Junanago, yo, c'est pas encore le fight for Namekanda? Va sur Twitter, toi. Laisse mon dos. Bien sûr que non. Oh, faut suivre l'actualité, là. T'es en retard. Faut suivre l'actu. Le Fight for Namekanda, le top 8, c'est dimanche. C'est pas aujourd'hui. Là, c'est Sarou, ce soir. Du calme. Oh. Bon, du coup... En plus, hey, j'ai été choqué parce que... Le mec, il a ressorti le visuel que j'avais fait la première fois. Et j'ai dit, okay. Mais c'est vrai que Sarou, il avait fait déjà un seul contre tous. Et là j'ai dit, attends, le mec il fait sa propre pub avant moi, quoi, tu vois. J'ai dit, ah, le mec il a balancé la sauce, je lui ai dit, les gars, Monster Hunter, après, voilà, c'est chez Flash, donc ça se passe, tout. Je dis, hein, mais d'où il a trouvé ça? Ah ouais, il a fait un seul contre tous à l'époque. Je dis, ok, comme ça que ça se passe. Corporate. Là, tu peux les retrouver, propre, les... Du coup, tu m'as fait gagner du temps, j'avais pas besoin de refaire le visuel. Mais tu peux tous les retrouver facilement, hein. les images que t'avais faites, j'avais vu celui de Jordan, je crois. Ah ouais? Et je sais plus quel autre. Attends. Juste, tu tapes seul contre tous, Flash No, ouais. Je crois, et ou le nom de la personne en question qui ouais. est passée, et ouais. tu retrouves sur Twitter. Et tu retrouves, ouais. En photo et tout, ouais. Après, on a bien utilisé ça. Des fois, je galère à retrouver des trucs, mais on va tester ça. Du coup, Sarou, tu sais comment ça se passe, hein. Je vais pas te refaire trop le blabla ouais. de l'historique du seul contre tous, tu connais bien le concept. La seule différence par rapport à la dernière fois, c'est qu'on n'est plus en format FT5, on est en format plus tight, donc FT3. Ah ok, d'accord, ok. Voilà, ouais. On est en format plus tight, on va à l'essentiel, tu vois ce que je veux dire. Voilà, au ouais, début, ouais, ouais. on était là, S2, FT5, on approfondit tout. Là maintenant, c'est FT3, on se tape, mais on se tape d'entrée, quoi. D'accord. Du coup, je t'ai trouvé 3 adversaires. Mm-hmm. 3 adversaires qui ont un bon niveau. Encore une fois, j'attends pas forcément la win, même si ça peut être ton objectif personnel. En tout cas, je l'espère. Moi, ce que j'attends, c'est... Enfin, je dis ça comme si, genre, t'as vu, j'étais en droit d'attendre quelque chose. genre, le mec, donc moi, j'aimerais bien que... Non. Moi, ce que j'aimerais bien voir, vu qu'on a déjà joué un peu ensemble et que je t'ai déjà un peu donné des pistes de travail. Parce que je sais un petit peu
comment tu réfléchis in-game et tes capacités d'adaptation in-game. Le problème, c'est que tu es un petit peu comme, comme certaines personnes, dont moi, tu es un diesel. Ouais. Et comme tu es un diesel, bah, le diesel, c'est pas le best mode en format FT3. C'est clair. c'est pas le best mode en format FT3. Mais du coup, ça me permettra de voir si non seulement tu es capable de t'adapter dans le FT3, mais aussi capable de t'adapter en fonction des personnes que tu vas avoir à la suite, sachant que ce sont des personnes qui ont à minima ton niveau, si ce n'est plus. D'accord. Donc de bonnes bases, de bons fondamentaux. Donc du coup, l'objectif, c'est toujours de te surpasser dans ton plan de jeu, de prendre le temps de repérer où sont tes défauts et d'essayer de les corriger in-game. Je vais pas forcément attendre des trucs précis, genre que ce soit sur l'utilisation de Jiren, de Gogeta ou de Janemba. De toute façon, je te donnerai les tips, ou du moins ce que j'ai remarqué que t'as pas bien fait ou que t'aurais pu optimiser à l'issue des débriefs. Mais vraiment, l'objectif, pour moi en tout cas, c'est de voir une évolution dans ton adaptation. Ça veut dire que même si t'es en train de perdre, toujours essayer en gros de valider les checkpoints. C'est de se dire, bah, par exemple, j'ai pas arrêté de super dash, et ben quand je t'ai dit dans le débrief que ouais t'as trop super dash, et ben il faut qu'on le voit de moins en moins sur les matchs restants. Si par exemple tu foires, je sais pas, tel mix-up, et que je te dis, bah, essaye de prendre un petit peu plus en compte le timing sur tel truc, et de voir si tu l'as retenté, tu l'as corrigé, voir si tu déchopais pas, et puis finalement t'as réussi à déchoper, tu vois, ce genre de truc, pour en fait essayer de faire en sorte que ton cerveau, il se mette rapidement dans le truc. C'est vraiment faut que t'arrives à te focus le plus rapidement possible. Et Mizuta, toi t'es en train de parler, quand on va arriver à toi, t'inquiète pas. laisse-moi d'abord finir un bail, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Vraiment essayer de rentrer dans la game et te remettre en question. Ça, c'est super important. Te remettre en question, mais toujours dans le bon sens du terme, pas dans le sens putain, je fais de la D. C'est pas l'évo, au contraire, c'est vraiment prends-le comme un bon exercice. C'est voilà, aujourd'hui on est le 18 mars 2021. Le niveau de Saru, c'est quoi? Ok, ben, là, tu dois jouer à ton meilleur niveau. Tu dois jouer à ton meilleur niveau. Si t'es pas encore au meilleur niveau dès le début, bah il faut au moins au troisième set, tu sois à ton meilleur niveau. Ok, ça marche. Avec toutes les infos que tu auras prises avant. Ok. Ouais. Bon, tu peux nous dire un petit mot rapide sur, selon toi, c'est quoi tes points forts et c'est quoi ton point fort et c'est quoi ton point faible dans point l'approche fort du jeu de combat sur DBFZ. Point fort. Point fort. J'avoue, je sais pas trop. Sur mon plan de jeu? Hein? Genre sur mon plan de jeu? Bah je sais pas, est-ce que ton point fort trop beau Wayne? Ah t'es un ouf. Non, ton point fort sur toi, comment tu trouves que tu fais un... C'est quoi ton point fort selon toi dans des BFZ, dans ce jeu, que ce soit avec cette team là ou avec une autre, comment tu te considères dedans? Non, je crois l'un de mes points forts, j'ai jamais la patience. Fort, il lâche rien. C'est vrai ça ou pas? Ouais. Bah c'est bien. C'est bien, si tu si, c'est vrai en plus. Si, c'est vrai. C'est bien, plus. C'est un point fort. Il y a des gens, tu vois, ça bégaye, ça mange 6M, ça bégaye. Si, si ton c'est point vrai, fort, c'est que tu lâches rien, c'est que t'en veux. Et du coup, ton point faible, selon toi, ce serait quoi? Et point faible, les 4S, frère. Point faible, 4S, Dragon Rush. Elle a dit point faible, les 4S, je suis mort parce que Mizuta, il a dit, dis-lui direct d'arrêter de 4S. De ouf. Non, mais c'est réel. Point faible, 4S, Dragon Rush. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un autre truc aussi qui me dérangeait, mais j'ai totalement oublié. Ah ouais? Trop de Mario Kart? Non, ça c'est un point fort. Ça c'est un point fort, ça. D'ailleurs, petite parenthèse, on vous attend sur Mario Kart. Non, on vous attend. Non, mais commencez pas à druider, les frères. Commencez pas à essayer d'inventer une sorte de druidance qui n'existe pas. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Les choses vont se régler. Vous allez voir. Les choses vont se régler. Ok, d'accord. Donc, bah écoute, je te présente pas ton premier adversaire.
Yes. Hein, tu le connais bien. Je pense que ça peut être un bon exercice de jouer avec lui parce que je sais qu'il a, il a un jeu très posé, Ouais. mais c'est à double tranchant dans le sens où tu peux très facilement penser que tu maîtrises la situation alors qu'en fait c'est tout le contraire. Je l'avais déjà affronté d'ailleurs au l'ancien seul contre tous. Ah ouais? Bah C'était tu vois, j'ai la même dernière pas. personne. Tu me crois, j'ai même pas fait exprès. Hein. J'ai même pas fait exprès, mec. Non, je te jure. C'était la dernière personne que j'avais affrontée, donc ouais. Ah ouais? Bon, Mais bah. vas-y, tranquille, Bah c'est c'est encore parfait, du mieux. coup. C'est encore mieux. Du coup, parce que du coup, attends, mais là, il faut dire les choses. T'avais gagné ou t'avais perdu? J'avais perdu, je crois, j'avais perdu 2-1, je crois. Ouais. Je crois que j'avais perdu 2-1, j'ai un doute. D'accord. Mais ouais, le dernier match, il m'a... Tu peux pas avoir perdu 2-1 puisque c'était FT5. Ouais, en plus, ouais, non, c'était FT5, pardon. Mais j'avais gagné, en gros, j'avais gagné un match sur les 4. D'accord, ok. Sur les 5, pardon. Ok. Bon. Eh ben écoute, du coup, on est parti, les gars, on est parti. Premier set contre Sorceleur. Je te laisse te concentrer, te mettre dedans. Et Ok, on débrief à l'issue du set. je cut le mic et tout, du Ouais, tu cutes le coup. mic, tu te mets dedans, t'inquiète, on se rappelle juste après. De toute façon, moi, je vais tout Vas-y. muter, comme ça, tu m'entendras pas. Ok, vas-y, ça marche. Ok, allez, c'est parti, mon gars. Let's go. Youp. Tic-tac, boum. Ça au gang, gang. Ça au gang, gang. Alors, les refs, attendez. Bon, désolé, hein, je suis un petit peu... En retard. Tac. On est plutôt bien là. Bon, maintenant que je vois Jiren, je peux pas m'empêcher de penser au Jiren Green Lantern que j'ai vu avec le mode chez Shinevo. Donc bon. On va voir ce que ce Jiren là va donner. Jiren Green Lantern, il était incroyable, hein. En plus, il avait bien la coupe bien rasée. Il était incroyable, le skin. De ouf, de ouf, de ouf. Bon, du coup, voyons ce que ça va donner ce premier set avec Monsieur Sorceleur en face. Mais ce qui est bien, c'est que je vois que Saru, il a compris directement le message. C'est comment rentrer in game. Comment rentrer dans la game dès le début. Ouf! Cross up reset! Oh, yo, 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 yo. On en parle de Lightbox là ou pas, là, BDS? Pari neutral, ça j'aime bien. Ça j'aime bien ce que je vois. On peut dire merci White Black Senpai. Yo Narugoku, ça va ou quoi? En tout cas, merci à tous d'être là. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Il y a des gens au rendez-vous hein, pour voir le comportement. C'est plutôt cool. Allô? Il s'est passé quoi? Oh, ça a tenté de taper. Ça mange direct le DR. Alors, je pense pas qu'on va trop juger son Gogeta, même si c'est le perso qu'il joue maintenant. Parce que, à mon sens, je ne suis pas sûr qu'il ait intégré la montée des levels dans son game plan. Mais bon, c'est pas trop ça qu'on va juger. Merci tout simplement avoir montré le chemin vers l'utilisation des paris en neutral avec Jiren Sama Desume. C'est un truc qu'il n'arrivait pas trop à mettre en place et c'est vrai que depuis que je joue un peu avec lui, je le vois de plus en plus. Merci aux clients fidèles, exactement, Wayne. Eh Wayne, toi, on va se taper. La vie de WAM, t'es rentré chez toi, non? On s'est pas vu. Ok, je note. Je note ce que t'as fait. Je sais qui est-ce que t'as vu et je sais où est-ce que tu les as vus. Même pas que tu m'as dit, vas-y, tonton, viens,
On va prendre un milkshake, un bail, un kebab, un... Rien. Ok. Sergi, c'est trop loin. Est-ce que je t'ai dit de venir à Sergi? C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai demandé... Est-ce que tu m'as demandé... Vas-y, viens, on se capte. Hein? Est-ce que... C'est ça que je t'ai demandé. N'essaye pas de détourner... Là, tu détournes. Pas ce que j'ai demandé. Moi, j'ai une voiture. Quelle bonne. Maintenant, tu viens mettre le truc sur Gila. C'est ça, ton problème? Non, je vais même pas screener. Mon cerveau, il screen. T'inquiète pas. Mon cerveau, il screen. Si t'essayes de me druder ou de mentir, ce sera toi. Ce sera toi, après, avec le destin et le karma. C'est pas mon dos. J'ai pas besoin de screener, moi. Ah, même pas de bûche. Garde cancel. Merci, monsieur. Voilà. Here we go. Zou. Level. Oui, monsieur. Setup. Je veux un vrai setup. Hein. Un vrai setup. Oh, ok. On prend. Validé. Validé. C'est validé. Aïe, 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 ça mange le bim plein de face. Et c'est un 1-0 pour Monsieur Sosler. Pour la sorcellerie. En soi, bon, il avait démarré, je vais pas dire qu'il avait démarré au quart de tour, mais la problématique... est telle que maintenant, va falloir réfléchir entre est-ce que je pose mon jeu, est-ce que je continue dans ce sens-là ou pas. C'est retrouver un V3, et c'est ce que je disais. On peut croire que Sorceleur, il est pas dedans, mais il sait très bien ce qu'il fait. Ouf. Par contre, je suis assez choqué que Sorceleur ait repris, imagine-vous. Décalage. Mais la gare. Bon pari! Aïe. Je crois que j'ai jamais vu autant de paris de la part de Saru. Pour le coup, ça paye. On a la vie bleue. Ok, c'est tenté. Pari! Aïe. Here we go! Ah oui, c'est vrai que dernièrement, il jouait GT, Jara. Tu fais bien de me le rappeler, c'est vrai. C'est vrai. Alors, la décision. Décision du Spark ou rein solide. Ouais, beaucoup de vie bleue à récup quand même. Epa! Lecture de jeu sur 20 avec le 2S. Bon, derrière, on a un Oki, je sais pas quoi. Pardon. Il aurait pu confirmer plus assist. Dommage. Mais c'est pas mal. Ça tue pas! Je suis sûr que ça tue pas! Sont les setups là! Voilà! Clipper! Clipper! Clippez-moi ça s'il vous plaît! Si vous pouvez me faire un petit clip, ce sera bien vu. Salut Sikno! Tu t'es enfin lancé sur Twitch, mais est-ce que t'as des conseils? Absolument pas! Absolument pas, mon frère. Juste fais ce que t'as à faire, sois toi-même et kiffe la vie. Oh, il a trop délayé. Really, nigga? Vanish? Oh! Mais c'est quoi ça? Ok. Allô? Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut qu'il aille choper les routes de hache avec chez toi, hein. Mum and White.
Merci Jarad de la Jaradrie. Merci mon gars. Voilà. Zou. 1. Pourquoi il y a une level? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Yes. Stagger, Chopspé, dommage. Là, il n'y a rien à craindre. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'être agressif, paniqué? Ah là là, ça mange même kilo. Petit drop, petit drop, petit drop. Faut temporiser, frère. Nous laquer complètement, frère. Nous laquer complètement. Oh, oh, oh. Temporisation, temporisation. Temporisation. Le reset bien déchopé. Eh, ça roule, il déchope, hein. Ok. Here we go. Tu te calmes, Boris, tu te calmes. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que je vois. On fume Saru ce soir, c'est ça le programme? Bah non, c'est peut-être que Saru doit fumer des gens. C'est pas pété ce pari, Askip. Askip, c'est pas pété, hein. Tout va bien, Jarad. Donc j'ai envie de dire, attention au 5H sans couverture. Wesh, où est mon feutre? La vie bleue DHC. Oh, Dragon Rush, DHC. Yes, merci. Yo, Chompi, ça va quoi? Quoi, c'est... En fait, le problème... Est-ce que vous pouvez me dire si là, le setup qu'il vient de faire avec Jenemba, là, est-ce qu'il peut le confirmer? Est-ce qu'il peut le confirmer avec un Vanish? Parce qu'il a trop tendance à faire ce setup de manière automatique, là. Il fait son bail de super dash 5H et après il fait la boule là. Il peut pas confirmer Vanish? J'ai pas vu Jarad où est-ce qu'il fallait DR. J'étais en train d'écrire des notes. Ça claque le spark. Oh là 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 là, la roue libranche. Il veut pas respecter. Il est un peu excité comme une puce. Ah, attends, c'est les motes... Whoop là. On voit rien, on voit rien, frère. Oh, j'avais même pas capté que c'était Whoop qu'il y avait là. Non, je vois pas. La vie, je vois pas. Dis-toi, j'ai dû froncer des yeux. Ou des sourcils plutôt. Thank you.
Aïe 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 aïe, il s'est jeté. Il s'est jeté. Je vais l'écrire whoop. Oh non, il faut mettre le H, wesh. Sans le H, c'est pourri. Donc, j'irai neutral. Il y a 2-1. Jiren. Parquet. Non, il saute. Ok. Voilà, 2S, bien vu, ça, la lecture de jeu. Alors. Alors, le problème. Problème des Shopspé. J'assiste. Mauvais conditionnement. Ce round start, il me plaît pas. Le round start. Pas terrible. Gogeta plus. Comment il s'appelle lui? Janemba. Ils sont sur PC. Super Dash Cruiser, bro. Ouf. What the fuck? En fait, il va trop vite dans... Il se laisse pas le temps de conditionner proprement, là. Il va beaucoup trop vite dans ses staggers. Il y a un mélange de tout. Un mélange de mix-up et d'agressivité, mais des mix-up qui sont censés être... des mix-up basés sur le conditionnement. Toujours les mêmes patterns. Toujours les mêmes patterns sur les staggers. Back dash, ok. Non, dash pas, reste... What? The what? Peut-être un miss input. Ah, déjà, le whoop, on le voit un peu. Le whoop, on voit un peu, ouais. Putain, j'ai même pas vu que c'était la tête de Jiren. Stop sauter. Voilà.
T'es pas contre un petit re-jump? Allez, un setup propre et simple et efficace. Devant, derrière, devant, devant. Mais c'est quoi ça? 0 sur 20. C'est 0 sur 20. C'est 0 sur 20? Comment ça peut passer, ça? Comment? Quelqu'un peut clipper? Allô? C'était quoi, ça? À cause du flash orange, il a cru à un DR. Mais est-ce que je comprends pas? Enfin, je sais pas, le backdash, il était nécessaire? Tu trouves qu'il était nécessaire, le backdash? Yo, Isma, ça va, quoi? Voilà, moi, c'est le backdash qui me pose problème. Le flash orange, je veux bien. Mais le backdash... J'ai pas compris, gros. J'ai pas compris, le backdash. Ouais, c'est quoi tous ces drops, là? Super dash full screen, allô? Voilà, la maladie. Isma, ça dit quoi? Bon de S. Allez, là, faut poser le jeu. Le jeu, il est pas assez posé, là. Mais c'est quoi ça, cet homme? Ça peut pas exister! Il a pas travaillé les patterns! Faut faire simple. On dirait qu'il veut tester plein de trucs, hein! On dirait qu'il est en pleine création, là. Zou! Ga! Il n'a pas bénéficié de ses appels assist. Bon pari ici. J'aime bien. Conditionnement, ok. Bon pari. Voilà. Eh les gars, je pense que on n'a jamais vu autant de paris de la part de Saru. Jamais. Non mais pourquoi tu contrôles ça? On est où là? Putain, le gars il a le choix entre des 4S et des paris et il prend des 4S. Ah, c'est fort, ça. Zou! Saru qui va devoir uniquement composer avec Jenemba. Est-ce que maintenant, il a le neutral solide avec... Oh, franchement, des paris... Alors, paris neutral, j'en ai vu pas énormément. C'est vrai que j'ai pas vu énormément de paris neutral, mais contrairement à ce qu'il fait habituellement, c'est un peu plus... que sa moyenne. Après, j'ai vu énormément de paris en pressing. Donc, ça, c'est déjà bien. Mais en neutral, je suis d'accord. Il y a encore à faire. Mais en même temps, il passe son temps à sauter. Donc, comme il passe son temps à sauter, frère, on a mal à danse, hein. Mais là, je te dis, il a dû prendre un Beroka 3000. Il a dû prendre un Beroka 3000. Et là, il tient plus en place. Parce que là, c'est une pile électrique. Yo, Majin Pool, ça va quoi? Bon, le GG. Le GG. 3-2. T'as noté quelques trucs? Parfait, Jarade de la Jaraderie. Je fais appel à toi juste après, mon gars. N'hésite pas à préparer ton texte. Nous allons donc appeler monsieur... Sarugang Banks. Ouais. Allô? Ouais. Ça va ou quoi?
Ça va. Bon, ça va pour un premier match. Bon, il était bien le marathon ou pas? Le marathon. C'est-à-dire, ça va, t'as encore du souffle ou pas? ouais, ça va. Vu que c'est FT3, ça va, ça aurait été FT5, je t'avoue, j'aurais commencé à suffoquer un peu, tu vois. Ah ouais? GG sorcellaire. Ouais, t'aurais commencé à suffoquer, ça c'est sûr. Hein. Alors, dis-moi comment tu as ressenti le set, comment ça s'est passé un peu dans ta tête, là, sur le déroulement? Déjà, au niveau de la team, vu que bah, c'est Grobu, Krillin et Gotenks, c'est pas l'habitude de jouer contre ces persos. Ouais. Donc, d'entrée de jeu, le Gotenks, j'ai appréhendé de ouf. Ok. J'ai appréhendé de ouf, je me méfiais pas mal. Et le Krillin aussi. Mais vu que le jeu de sorcellaire il est assez posé, ça me laisse pas mal le temps de réfléchir. Du coup, je peux jouer entre guillemets librement, tu vois. Ouais. Je peux jouer librement, essayer de poser mon jeu, j'ai pas trop de pression ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand il se m'a pressé ou a essayé de me trouver pour m'ouvrir la garde, etc., c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Après. J'ai réussi à faire plus ou moins ce que je voulais faire. Les pressings avec Jiren, les staggers, les key blasts avec Janemba. Mon Gogeta, il est encore il est en work in progress, tu vois, mais ça va, j'ai pu faire quelques trucs sympas avec. Mais globalement, ça a été. J'ai pas été déçu de ce que j'ai fait. D'accord. Bah, c'est plutôt une bonne chose déjà que tu sois pas déçu de ce que t'es fait. Ça veut dire que dans un sens t'as réussi à mettre en place ce que tu souhaitais mettre en place. Après, les trucs sur lesquels t'as pu foirer, ben t'en as probablement connaissance. Et ce qui compte, c'est déjà d'avoir bien conscience de ce que tu penses avoir bien fait, de pas avoir bien fait. Faut vraiment avoir les deux aspects. Avant de rentrer dans certains points de détail, il y a un ou deux clips qui traînent. Alors moi personnellement, contre moi t'as jamais joué comme ça. Et quand je te vois jouer, je t'ai jamais vu jouer comme ça. Je m'explique. J'avais le sentiment que t'étais un peu sur les starting blocks. C'est-à-dire que je t'ai trouvé très un peu en mode pile électrique, tu vois. C'est-à-dire que pas que ce soit brouillon, mais tu voulais tester plein de choses. T'essayer de bien gérer le neutral, t'essayer d'être mobile, t'essayer de garder un niveau agressif, d'être réactif, d'avoir une avance sur la lecture de jeu. En fait, t'essayais tellement d'être sur tous les tableaux que t'étais soit de temps en temps dans la perte du rythme et après tu retrouvais le rythme, soit t'avais l'ouverture puis il n'y avait pas le confirme. Tu vois, plein de petits trucs comme ça qui me font dire que, bah ok, on est passé d'un mec diesel à certes un mec essence, mais qui a mis un petit peu trop de noces dans les valves, tu vois. Et du coup, bah, le problème, c'est que il y a des choses bien, mais il y a des choses pas finies. Il y a des choses bien qui sont pas abouties. Il y a du terrain de gagner, mais qui est aussitôt perdu parce que tu vas sur autre chose. Et tu en oublies les fondamentaux qui sont: j'ai fait level 3, j'ai un Oki, je suis en corner, bah, je fais un setup. Pourquoi ressortir du corner et le laisser respirer, le mec? Ouais, les backdash, quand je jouais, c'est vrai. Il y avait énormément de backdash dans ton jeu où tu as le momentum et tu relâches le mec, en fait. Tu le relâches en liberté. Et ça, c'est dû, je pense, au fait que ben, t'es un petit peu... T'es dedans, mais t'es trop dedans. Ouais. Tu vois? T'es trop dedans, ce qui fait que t'as un peu du mal à gérer... à gérer ton sang-froid, à gérer le fait que tu veux être agressif tout en étant solide, et à gérer le fait que tu peux avoir une bonne lecture de jeu pour savoir quand est-ce que tu dois sauter, quand est-ce que tu dois tech, quand est-ce que tu dois taper, ou quand est-ce que tu dois tout simplement garder et attendre, en fait. Ouais. Tu vois ? Et c'est là où j'ai envie de dire c'est un peu dommage, parce que à travers ça, t'as montré de bonnes choses, mais ça t'a desservi sur des choses que tu maîtrisais déjà.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça t'a desservi sur des choses que tu maîtrisais déjà. Dans les choses que j'ai notées, je vois que tu as essayé d'implémenter un peu plus de ShopSpay 5H avec Jiren. Le gros problème, c'est que à plusieurs reprises, il a réussi à tech tout simplement parce que, un, il n'y avait pas le bon conditionnement. Et Ouais. deuxièmement, parce que tu l'as souvent fait quand tu n'avais pas d'assist derrière. Donc, ça devenait obvious. Tu vois ce que je veux dire? Un conditionnement bien mis en place pour qu'il y ait un 5H, enfin une ShopSpay qui passe, c'est qu'il y a une notion de rythme là-dedans. C'est soit tu as fait une agression et tu vas directement sur la ShopSpay, soit tu fais une agression puis tout d'un coup tu ralentis pour essayer d'envoyer une fausse information et en fait ça devient un délai et derrière tu repars sur un pressing. Tu vois? T'as eu très peu de. Comment dirais-je? T'as eu très peu de conditionnement avec des décalages pressing. T'as eu des resets, mais tu n'as pas eu de décalage pressing. Ce qui fait que systématiquement, où tu partais sur le 5H, bah, il sortait. Tu vois? D'accord. Il n'est pas. Je ne vais pas dire. Le 5H de Jiren, il est reactable. Ce n'est pas la question. Le problème, c'est que ton conditionnement. Pour que le 5H passe, il est pas assez en place. Ouais. C'est quand tu décides de faire un 5L 5H, il faut plus assist, c'est un 5L 5H plus assist. Il passe ou il passe pas. Mais si tu fais 2L 5L, 2L 5L, 5L 5H, on voit que tu prépares un truc. Mais tu vas pas préparer un truc exceptionnel. Tu vas pas Ouais. préparer un truc exceptionnel, un, parce que c'est Jiren, et parce que le seul truc qui peut être dangereux, bah, c'est la chope derrière, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Alors que tu vois, habituellement, des fois, quand tu le fais, bah, au lieu de partir sur la chope, bah, bait et met le 2-3-6-S. Ouais. Carrément. Il risque de le manger en hit, tu vois, s'il a tenté de take ou ce genre de choses. Et c'est ça que tu dois essayer vraiment de trouver, c'est trouver le juste milieu dans mon conditionnement. Quelle est l'info que je veux lui envoyer? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il croie? Est-ce que j'ai envie qu'il croie que je vais mettre un 5H derrière? Et si oui, pourquoi ne pas décaler, attendre de voir s'il tech pour ensuite repartir sur un pressing? Ouais. Voilà. Donc il y avait ça avec Jiren. Tu as parlé des staggers tout à l'heure. Je vois que tu as tenté les staggers, c'est bien. Le problème, c'est que c'est systématiquement les mêmes patterns. Dans tes staggers, au bout de deux séries, il se passe quelque chose. Et Sorceleur, il a compris, c'est la raison pour laquelle, quand tu faisais 2L5L, 2L5L, derrière, il a tapé. Ah bah, il avait capté Bah, il a capté parce qu'en le fait, tu rythme. restes systématiquement sur le même segment, en fait. Ouais. Et comme il n'y a pas de variation, et encore pire quand t'as pas d'assist derrière, il se prend pas la tête. Si c'est Janemba, soit je fais un super dash, soit je m'en fous, je me barre. Si c'est Jiren, je vais respecter parce que potentiellement, voilà, avec la hitbox et puis le block string, tout ça, je peux moins m'en sortir. Mais si t'as Ouais. pas d'assist et que tu fais tout le temps la même chose, il va taper. Donc fais attention à ça pour essayer de varier un peu plus les staggers. Ne pas hésiter à partir sur ton 2L 5L shop, 5L shop, 2L 5L, je t'avais dit 2L 5L 5M, décale le 5M, justement. Pour essayer de conditionner, pour que le mec se dise pas systématiquement, là, il va y avoir une chope. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté, faut que tu essayes de gérer. C'est pas du stress, c'est de l'adrénaline. Il faut que tu arrives à poser un peu plus ton jeu. Là, t'étais vraiment partout à la fois. T'étais en haut, t'étais au sol. On a vu des super dash full screen qui n'ont pas été punis. Mais des super dash francs parce que tu voulais entre guillemets garder le rythme Ouais. et ne pas laisser paraître une faille de façon à te retrouver coincé dans un coin. C'est bien, mais ça montre aussi que tu maîtrises pas totalement le plan de jeu parce que tu l'as bien dit, Sorceleur il est pas agressif. Sorceleur il est pas agressif, mais comme t'as tenté de l'agresser, bah du coup il suit ton rythme. Mais il suit ton rythme tout en gardant son game plan. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et c'est là le problème, c'est que comme lui, il maîtrise son game plan, il se dit, vas-y, tu joues à telle vitesse, je vais jouer à telle vitesse, mais je vais conserver mon game plan. Mais toi, bah, comme ton game plan, il est pas super bien maîtrisé, eh ben, du coup, tu peux prendre la sauce.
Ok. J'ai noté quoi? Ouais, j'ai noté des trucs surtout aussi sur Jiren. J'ai marqué. T'as bien mis en place. Alors, on n'a pas vu énormément de paris en neutral, paris assist. Ouais. On n'a pas vu énormément. Mais on a vu énormément de paris dans les décalages. J'en ai jamais vu autant. Ouais. J'en ai jamais vu autant. Donc, comme quoi, ça marche. Ça marche. C'est pété. Chaque fois qu'il a voulu décaler ou quoi, il a mangé un pari. Il a continué de le faire et t'as eu toujours raison. Donc ça veut dire qu'il n'a pas accepté le fait que tu lui envoies l'info, arrête de décaler sur moi. Mais c'est pas grave, puisque Ouais. tu as toujours raison. Donc tant que tu as raison, tu ne changes pas de game plan. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut peut-être essayer d'intégrer un peu plus en neutral les paris contre les projos. Je crois que j'en ai vu deux ou trois Il y en a, maximum, ouais, mais grand max. grand Grand max. max, ouais. Mais j'ai vu Quand surtout des c'était paris dans les décalages. vraiment, comment je gère ça? Évident. Ouais, quand Quand c'est c'était vraiment vraiment évident, il évident. appelait l'assist Gotenks, il faisait rien derrière. Mais quand il se retrouvait à sauter, par exemple, avec Boo, Ouais. et qu'il faisait l'assist Gotenks, j'ai vu que j'étais concentré sur le Boo, je préférais rien faire parce que, enfin, je me retrouvais à rien faire, tout simplement, parce que je me dis, si jamais je parie, ou quoi que ce soit, je vais sûrement manger une carotte ou quoi. Ouais. Donc, je Mais préférais pas prendre de risques, mais ouais, en soi, je c'est pas mal. C'est un peu plus que ce que tu fais habituellement. Donc on voit quand même que tu as essayé, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que tu trouves le juste milieu pour toi me aussi ne pas te faire avoir. Si le mec a capté que tu vas parier systématiquement dans les délais, eh Ouais. ben fais attention à ce que tu manges pas des baits. Chaque fois que tu as tenté de 4S, bah t'as mangé la maladie, quasiment. Ouais, clairement. Et j'ai envie de dire, quitte à choisir un 4S, autant choisir le pari. Ouais, j'avoue. Tu vois, honnêtement, si quitte à faire un truc dans un trou, autant sortir ton pari. OK. Et enfin, dernière chose, ouais, donc je t'ai parlé de faire attention hein, quand tu fais tes 5H en pressing, surtout quand tu es tout seul avec Jiren, ne va pas directement sur le 5H. Mets en place un truc simple, des petits staggers, décalage, et après tu fais tes trucs block string. Tu fais ton truc block string. T'as de la ressource, tu fais ton 5S vanish, c'est toujours block string, tu vois? C'est-à-dire que mets en place, prends le temps de mettre en place le conditionnement. Ouais. Tu vas aller direct sur la shop, mais tu l'as pas conditionné. Donc comme tu l'as pas conditionné, ça marche pas. Et s'il a les bonnes réponses, tu risques de prendre tarif. J'ai vu un truc qui m'a pas trop convaincu. Il y a un moment, t'as fait round start avec Gogeta. Runestart son coup invul là, je sais pas si c'est 2-3-6 light ou un truc comme Ah ça. ouais, le T'as fait Runestart carrément. plus assist Janemba. Allô? Ouais, tu m'entends? J'ai pas entendu la suite, j'ai entendu Ouais, c'est que non, après non, non, j'ai je rien dit. Ah J'ai rien dit. J'ai essayé comment j'allais te formuler ce que je voulais dire. En fait. T'as fait Runestart plus assist Janemba, et le problème c'est que 1, je trouve que le timing avec l'appel Janemba il était pas super bon. Et 2, c'est que comme ton 2-3-6L il peut potentiellement arriver en whiff, alors je sais pas en combien il sort, bah en fait derrière il n'y a pas de danger quoi. Tu te mets plus en danger qu'autre chose. Je dirais que ça Ouais. serait peut-être un peu mieux de faire appel assist Janemba parce que je crois que son assist en fait elle dépasse le 2-3-6-L de Gogeta. Donc en Ouais. fait, ça peut être un trap, parce qu'on va croire que ton 2-3-6-L whiff, mais comme l'assist, en fait, la hitbox, ou du moins la range, va plus loin, eh ben, tu peux avoir un confirm propre. Tu vois un Donc peu ce que je veux dire? vite fait, en gros j'appelle l'assist de Janemba En d'abord fait, et après je fais le non, lot. non, pas de Janemba, je parlais de Jiren, pardon. Ah ok, d'accord. De Jiren, en fait, pourquoi je te disais plutôt de partir sur ce round start là avec Jiren, c'est que si jamais tu ne touches pas avec le 2-3-6-L, l'assist de Jiren va plus loin que le 2-3-6-L. D'accord. Et donc, du coup, c'est comme si tu faisais un petit peu une espèce de trap, c'est qu'on va voir que ça whiff, on va vouloir y aller, sauf que les multi-hits de l'assist au début sont invisibles et après apparaissent devant Gogeta. Et donc derrière, bah soit il le mange en bloc et tu fais ton pressing, soit t'as plus qu'à confirmer.
Tandis, alors que l'assist de Dzenemba, bon voilà, même si elle se met sur toi, il suffit qu'il ait sauté, il ait évité, t'es un petit peu plus en difficulté. Enfin voilà, c'est juste un conseil à tester, tu verras si ça marche, mais c'est plus dans ce sens-là. Je vais te donner 2-3 tips qui ont été donnés dans le chat, notamment par Jarad. Alors, il dit déjà à chaque fois les block strings avec Gogeta, Jiren, ce sont les mêmes patterns. Donc, ça, c'est ce que j'avais. Ouais, ça aussi, j'avoue. Systématiquement les mêmes patterns. Par exemple, sur 5 Oki Gogeta, dans 100% des cas, ce qui suivait, c'était IAD, JML. Ouais. JML, 5M, Chop Spé. Toujours avec Jiren, 2L, 5L, Dragon Rush. Tu vois ? C'est-à-dire que tes patterns, on les a captés. Et quand l'adversaire les a captés, bah, malheureusement, il n'y a plus rien qui passe. D'accord. Parce que tu varies pas assez. Et je pense que pour que tu commences à dire à ton cerveau de varier, ben, des fois, déroule jusqu'au bout le pressing. Déroule jusqu'au bout le pressing, et ensuite, tu repars sur de la variation de stagger, de 6M plus assist. On n'a pas vu de 6M. Moi, je crois pas que j'ai vu de 6M. Hein. Ouais, j'ai pas fait de 6M. J'ai pas vu de 6M. C'est le truc le plus bidon, basique. Commence par les trucs basiques, peut-être qu'à ce moment-là, ça te donnera d'autres idées pour d'autres mix-up. Ensuite, Jarad, il dit, sur l'utilisation des Chop Spé, il en a fait des fois, mais il n'y a aucun reward derrière, car il n'a pas de barre, parce que tu n'as pas de barre derrière, ou aucune assist. Un moment, tu as fait 5 H avec Jiren, mais tu pouvais rien en tirer. Bah oui, tu as fait 5 H parce que tu n'avais pas d'assist, ou tu n'avais pas de barre. De plus, essaie d'éviter de faire des Chop Spé si t'as pas t'assises derrière. En fait, voilà, il a répété ce que je t'ai dit. Il a répété un peu ce que j'ai dit, mais en gros, c'est vrai que au-delà des patterns qu'on a bien enregistrés, tu te mélanges entre aller à l'essentiel et comment je mets en place mon conditionnement. Et je pense que pour que tu puisses t'en sortir, faut que tu reviennes à un jeu beaucoup plus basique. D'accord. Faut que tu reviennes à un jeu beaucoup plus basique pour ensuite te poser la question comment je peux faire pour créer la surprise. Le problème, c'est que si tu vas tout de suite sur la surprise et que tu vois que ça marche pas, ton cerveau il va être bloqué, il va être frustré. Il va se dire, bah putain, j'ai déjà sorti mes meilleurs mix-up, ça passe pas. Alors que si tu dis vas-y, round start, je fais mon premier bail, 6M plus assist, ok, le mec il est réglé ou pas. Tu vois, le mec il a la réaction ou pas, ça te donne tout de suite l'info. Tu le vois bien, moi, le nombre de fois où tu joues avec moi, je te fais un assist block string, deuxième assist 6M. Ouais. La plupart du temps, tu manges. Donc, ça veut tout de suite dire que. Bah en fait, j'essaye de te tester. Je te teste sur les fondamentaux, les trucs les plus basiques, avant d'essayer d'aller dans la recherche de mes mix-up. Mais si toi, tu vas directement dans la recherche de tes mix-up qui sont déjà pas bien implémentés dans ton game plan, bah en fait, à la fin, tu fais comment ? J'avoue. Tu vois ce que je veux dire ? À la fin, tu vas pas savoir comment faire. Donc du coup, essaye déjà de prendre des infos de ton adversaire. Est-ce qu'il bouge bien ? Est-ce qu'il a une bonne garde ? Est-ce qu'il est du genre à mâcher ? Est-ce qu'il est du genre à bien faire attention à ses ressources? Est-ce qu'il craque souvent des barres? Est-ce qu'il craque tout le temps ses assists? Une fois que tu as toutes ces informations, là tu peux te permettre un petit peu d'aller plus dans la recherche de mix pour entre guillemets avoir un plan de jeu solide et pas partir dans tous les sens. Ok. Ok. Ouais. Bon, deuxième adversaire. C'est parti. C'est parti. Allez. On mute tout ça, on est parti. Alors. Jarad de la jaraderie. Attendez. Faut que je change tout ça là. Je vais plutôt. Comme on est un petit peu à la bourre,
Parce que je sais que mon troisième adversaire, il va avoir des impératifs. On va peut-être enchaîner. Je ne révèle pas les adversaires, mon cher Tchank, je le révèle toujours quand tu rentres dans la room. Oh, bonne punition! Oh là là, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi, wesh? Il a un problème avec la chose peut-être Gogeta. Hein. Ouais. C'est ce que je lui dis. Je pense que l'appel assist en fin de combo, c'est pas bon. C'est pas bon. Yes, bon décalage. Tu vois, le problème, c'est il fait trop le. Là, il vient de faire le round start plus assist. Il a même pas regardé si c'est nécessaire. Tu vois, c'est ça qui me trouble un peu. Ok. Oui! Oh oui! Y'a quoi comme setup? Y'a quoi comme setup? Non, y'a pas de setup. Yes, pas mal. Putain, il fait trop de chop spay! Y'a trop de chop spay! Y'a trop de choses faites. Il s'en sort quand même. Sao gang. La prio du duel de Jiren, elle m'extermine, gros. Eh hey, frère, viens, on en parle après. Viens, on en parle après. Genre... Moi, ce perso m'exaspère. Get ça, wesh! Il est de... Bref. Moi, pour moi, il utilise trop Genemba en autopilotage.
trop autopilote. Est-ce qu'il peut faire pari counter pari? Il peut faire pari counter pari ou quoi? S'il fait ça, c'est un boss. La vie bleue, oh, la vie bleue. Oh là là, my god. La vie bleue, c'est quoi ce neutral là? Pourquoi il agresse? Agression neutrale. Pour moi, Saru a du mal, il perd patience, bah ouais. Il veut trop agresser. Yo, il n'y a pas d'appel assist, mais c'est quoi ça? Mais ouais, Shonu! Yare, yare. Ah, ça sent le charabada ou quoi? Aïe. Bruh. Ah bah, ça va aller vite hein. À ce rythme, ça va aller vite hein. Bon, écoutez, c'est à dire que bon, c'est à dire que moi j'ai un bus à prendre hein. Alors. Oh, j'ai oublié, j'ai fait une bêtise, attendez. Deux secondes. Pomplemousse, ça va ou quoi? Quoi de neuf? Anis qui a perdu son... Excusez-moi. Excusez-moi. Il fallait que je fasse un truc rapide. J'en étais où? Yutai, Yutai, ça va ou quoi? Pomplemousse, c'est comment? Tranquille, la famille ou quoi? C'est quand que tu nous ramènes Zamasu d'ailleurs? Yo, Silverblade! Bonsoir, ça va ou quoi? Merde, pourquoi j'ai appuyé là-dessus moi? Bon, où est-ce qu'on en est là? Je dis bonjour. Ouais, t'as vu, c'est un peu la sauce. C'est un peu la sauce là. Du coup, entre le chat, les notes que je dois prendre et le match, je t'avoue que je suis un petit peu en retard sur le chat. Et t'inquiète. On a capté Gila, Wayne, Yuki et Ace.
Vraie équipe de druides, ça m'étonne pas, vous avez parlé de One Piece. Ça déchauffe bien, j'aime bien ce que je vois. Saro qui s'en sort. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh, ok. On le confirme. Sparquet, merci. Voilà. Allô. Fais simple. Fais simple ou je te frappe. Il a pas droppé. Oh punaise, il a pas droppé. Il a pas droppé. Allô. Il n'a pas droppé. Oh my god, il a pas tremblé. Le Boog n'a pas tremblé. Il a dit, je vais faire mon petit chemin. Loop. Sparqué, y a pas d'ambiguïté, j'y vais, no fear. J'aime bien ce que je vois là. Il a pas le même jeu que quand il jouait contre Sorceleur là. Il a un jeu beaucoup plus posé. La force du duel de Jiren, c'est tout. Il te trigger, voilà le bon pari dans le système. Eh merci monsieur. Il peut pas faire un bail avec appel à 6 Jiren là au lieu de Vanish? Hein les gars, il pourrait pas faire un bail? Il fait pari, appel à 6, tu peux pas confirmer? Ah, le mauvais pari. Ah, ok. Bien vu, Champi. Pamplemousse qui fait de l'abus de pouvoir. Pamplemousse qui nous fait de l'abus de pouvoir. Non mais Chomp il était là avant toi. C'est ça ton problème Pamplemousse. Chomp il était là avant toi. Là tu fais de l'abus de pouvoir. Je vais être obligé de lui donner une épée et te retirer l'épée. Oh, il a raté. Dommage. Arrête de forcer. Pourquoi il force? Allez, clippez-moi ça. Clippez, s'il vous plaît. Clippez-moi cette séquence-là. Pourquoi il force comme ça, là? Ok. Ça va manger la maladie là, non? 6M. Allez 6M. 6M, le meilleur mix-up ever que vous puissiez trouver dans un jeu de combat. Mais c'est quoi le jeu? Je te confirme! Stop sauter! On joue neutral. Stop sauter! Oh. Il a tapé, je suis mort. Il a tapé, oh my god. Il a tapé, je suis mort. On va voir Gogeta, Genemba, il va sauter. Tout le monde vient encourager Saru là. Quel bail. Il est dans une mauvaise posture. Arrête d'aller le chercher comme ça. Regarde comment il va le chercher. C'est quoi cette approche? C'est quoi cette approche? Ok, ça passe. Allez, Saru gang, Saru banks, banks, Saru banks. Est-ce que... Attendez, il a même pas monté les levels. Il aurait pu... Depuis tout ce temps, vous voyez, depuis tout ce temps, s'il avait monté des levels, aujourd'hui, on pourrait faire des dégâts. Maintenant, tu vas faire comment? Allez, chop spé, zoup!
Ah là 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 là. 2-2. Il est plus team de l'invocation Shenron. Bah c'est surtout qu'il se fait voler il se fait voler les Dragon Ball aussi. Bon pari. Bon pari, j'aime bien ce que je vois. Le conditionnement des soumets. Oh oui, le bait avec la 6 que c'est. Fais-moi un truc au petit là. Un truc aux petits oignons. Voilà. Ok, on est bien. Bait un spark. Non. Ah, les Oki, frère. Il est pas assez dangereux sur les Oki. Pas assez dangereux sur les Oki. Conservation du momentum. C'est pas encore ça. Allez, Saro Gang, Saro Banks, Banks. Pas de 4S neutral, quel bail. Cross up, ne fais pas Chopspé. Mais fais pas Chopspé. Pourquoi il me fait Chopspé? Mais non, c'est trop obvious. Il aime trop les Chopspé, Jarad, c'est un délire. Il a fait dash clin d'œil. Pas de punition super dash. Frère, il a fait dash clin d'œil. Bon bah les couilles, je te dis quoi d'autre. Appelle comme tu veux, il a fait dash clin d'œil. Bon, le neutral, c'est pas ça. Dash! Il est où le dash? Ah, counter. Voilà, counter. Gardez bonne. Aïe 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 aïe, la maladie. Garde cancel à un moment, non? Oh la 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 la. Where is the guard cancel? The guard cancel. Et qu'est-ce que tu fais? Il y a des H. Mais Mix, non. Mais Mix, sinon le Mix. Il va jouer neutral. Voilà. Voilà, il va jouer neutral. Tu vas manger cette barre. Va là-bas. Voilà, il monte ses 3 barres. C'est un gamin. Il va remonter ses 3 barres ou pas? Il veut le fumer avec... Ah, c'est un enfant. Ah, c'est un enfant. Ah, punaise. Bon. Écoutez. Jarad, t'as noté des trucs ou pas? Chomp, t'as noté des trucs ou pas? On fait ça en 5 minutes. Qu'il puisse enchaîner. Si vous avez noté des trucs, j'ai noté joue meilleur. Oh les gars, vous êtes méchants, wesh. Vous êtes méchants. Attendez, bon. Allô? Non, bah, il n'est pas encore là.
Ouais, on m'entend? Ouais, on t'entend bien. Ok. Bon, vas-y, dis-nous en rapide comment ça s'est passé. Hey, j'ai trop rigolé. Ah punaise, et qu'est-ce qui t'a fait rigoler? Pourquoi? White Black qui m'a tué la vie. Ah écoute, hein, tu connais White, hein. Tu connais White, hein. Tout dans le non-respect. Tout dans le non-respect. La vie. Dans le respect du non-respect, j'ai envie de dire. De ouf. Je voyais ces persos faire des smooths criminels et tout. Je dis, non mais. Les gars. Te fous de ma gueule. C'est un ambianceur de salle. Exactement, un ambianceur de salle. Je suis mort, mais ouais, non, c'était. Là, je t'avoue, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, pourquoi? Là, la pression, elle était différente. La pression, elle était différente. Je saurais même pas à dire. Alors, moi, j'ai juste une question avant de poursuivre. Est-ce que la pression est différente parce que c'est White Black ou est-ce que la pression est différente à cause de son style de jeu? Non, c'est le style de jeu. C'est le style de jeu parce qu'après le fait que ce donc, soit. Donc, ça aurait pu être n'importe qui avec le même style de jeu. T'es en train de me dire que du fait que c'est White Black, ça n'a pas influé sur ta façon de jouer? Non, bah après, parce que c'est pas la première fois que j'ai joué, enfin, que je joue contre lui, tu vois. Ouais. Et à bah, force, j'ai pris l'habitude de jouer contre lui. Mais okay. Malgré tout, c'est sa façon de jouer qui. Je sais pas comment je peux dire ça. En fait, elle est. J'ai envie de dire clean, mais c'est pas exactement ce que je veux dire, tu vois. Tu sais que. En fait, tu sens que derrière la personne, elle sait clairement ce qu'elle fait, tu vois. Non, encore heureux. Donc... Ouais. Non, mais. Je sais pas comment je peux expliquer ça, tu vois, mais. Enfin, en vrai, je sais même pas comment expliquer ça. Ok. Mais. Enfin, je sais pas, je me suis senti, en fait, quand on jouait, je me suis senti orienté. Ouais. Je me suis senti orienté de ouf. Ah putain, il a zooké avec toi, c'est ça que t'es en train de dire. Voilà, j'irai pas jusque là, mais. Il a fait voilà. Des tentatives. Il a tenté, bon. Tu vois. Non, mais ok. Non, mais en fait, après, c'est aussi la force de White Black, mais vous inquiétez pas, j'ai fait un petit sondage, je mets ça entre parenthèses, un petit sondage pour savoir si White devait passer au seul contre tous. Vous savez si vous devez cliquer ou pas, mais bon, on en reparlera plus tard. En fait, il est très fort là-dedans, c'est que il peut facilement, une fois qu'il a analysé ton plan de jeu, t'orienter vers ce qu'il veut. Mais pour pouvoir contrer ça, bah faut malheureusement trouver le moyen de rentrer un minimum dans sa tête pour justement aller à l'encontre de ça. Je rejoins directement ce qu'a dit Sorceleur. Il y a beaucoup de fois où tu avais le momentum. Mm. À plusieurs reprises, tu avais le momentum, mais tu n'étais pas confiant. Tu n'étais pas confiant dans ce que tu faisais. J'ai vu pas mal de choses où il y avait les ouvertures en corner, ça faisait les dégâts, il manquait plus qu'une seule ouverture ou un bait de Spark. Mais Loki, il est pas là. Ouais, les Oki, frère, je vais pas te mentir, il faut que t'ailles bosser les Oki. C'est, tu peux pas avoir fait 70% du taf, il reste 30% et tu bégayes sur les 30%. Ouais. C'est, en plus t'as encore un assist, en plus c'est toi qui as l'avantage, lui il doit prendre une décision Spark ou pas Spark, Switch ou pas Switch, et chaque fois quand tu arrives au moment où c'est là que tu dois te débarrasser du perso, ça bégaye sur Loki. Et ça, à ton niveau, j'ai envie de te dire, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que je te demande même pas de faire un bait subliminal. Je te demande juste de me faire un Loki propre carré. Tu m'as fait un Loki propre carré, il a déclenché son Spark. Tant mieux, il a déclenché son Spark avant toi. Donc t'as forcément gagné quelque chose. Mais fais-moi un truc dans lequel au moins t'es safe et t'es pas en danger. Ou au moins que le mec en face, il ait l'impression de devoir prendre un risque. Mais si tu fais rien de tout ça, mais t'as travaillé pour rien. T'as vraiment... Ah, c'est vrai que les Oki, ouais. Je m'en rends compte en plus à chaque fois que je tombe sur la situation, j'arrive pas à savoir exactement... Si c'est pas Janemba... Et encore, Janemba, c'est quand je suis dans le coin, vraiment dans le coin, j'ai vraiment collé le mec et tout et... Il peut pas bouger. Quand je suis à l'autre bout, je fais la level 3, c'est compliqué, tu vois. Et bah après, Jiren et Gogeta, c'est encore pire. Ouais. Mais une fois que je suis dans cette situation où j'ai mis la level 3, ce que je dois faire après, c'est le flou total. C'est genre en mode. En fait, je me pose trop de questions. En fait, ouais, c'est ça. Quand j'arrive dans cette situation, je me pose trop de questions. Je me dis comment il va. En fait, il n'y a qu'une seule solution. Enfin, il n'y a qu'une seule manière dans laquelle il va se relever. Mais j'ai l'impression qu'il peut se passer tout et n'importe quoi en fait. Et du coup,
je réfléchis trop et je sais plus quoi faire. Il est trop tard et je dois faire quelque chose, sinon ouais. je perds l'avantage. Donc ça veut dire qu'en fait, ton cerveau, il va pas plus loin que le bout de l'action. C'est-à-dire, j'ai fait mon ouverture et la fin de l'action, c'est le SKD plus level. Ouais. Et après, bah, tu recommences à zéro. C'est ça. Mais le fait de recommencer à zéro, ça, tu recommences à zéro. Donc en fait, c'est pour toi. Tu fais un reset. Tu fais un reset mental, en fait. De ouf. Tu te dis pas. Ouais. Bah en fait, tant qu'il est pas mort, le match, il est toujours en continu. Mm. Il est toujours en continu. Et ça, c'est un truc au-delà de juste aller travailler des oki spécifiques. Comment conserver, en fait, le plus important overall, c'est comment conserver l'avantage situationnel. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit au corner, que ce soit à mid-screen, comment faire pour... J'ai fait une level 3, j'ai un oki qui soit bon ou mauvais, ou j'ai même peut-être pas d'oki parce qu'il est full screen. Comment conserver l'avantage situationnel ? Je suis désolé, mais le simple fait de dasher sur une personne déjà... envoie une info. Une info de « j'arrive sur toi ». Mais si l'info, elle n'est pas franche, c'est là que ça devient compliqué. Ça veut dire que si tu laisses transparaître une faille dans l'info que tu envoies, bah derrière, le mec il va se dire « oh, je vais juste tech. Oh, j'ai pas besoin de spark. Oh, vas-y, je vais switcher. Oh, encore pire, je vais taper. » Et c'est là que tu te fais voler. Moi, je laisse trop d'opportunités. Tu laisses beaucoup trop d'opportunités. Il faut vraiment que tu reviennes à un mode de fonctionnement terre à terre. J'ai envie de te dire, ne te casse pas la tête. Tu es en corner, il y a des haches. Ouais. Vas-y, fais simple. Fais simple. Ça, Jarad te l'a dit tout à l'heure, tu pars souvent sur du IAD, ML, nanana. Il y a des haches. On va recommencer à la base. Il y a des haches, pressing. 5L shop. Il y a des haches, je refais un IAD, ML, par exemple. Il y a des haches, décalage, IAD encore. Il y a des haches, 2L5L shop. Il y a des haches, 6M plus assist. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu dois verrouiller le fait que tu as un oki gratuit après ta level 3. Okay. Il faut que tu arrêtes de laisser ton cerveau se poser 20 000 questions. S'il se pose 20 000 questions, c'est soit parce que tu n'as pas travaillé ce qu'il y a derrière, soit parce que tout simplement, ben en fait, tu auras peut-être envie de tester plein de trucs et au final, tu ne sais pas quoi choisir. Ou tout simplement, bah, enfin, je sais pas, ou alors peut-être que tu fais un blocage dans cette situation. Mais j'ai envie de te dire, à ce moment-là, prends juste un truc. Tu prends une porte de sortie et tu prends systématiquement cette porte de sortie, tu vois ce qui se passe. Okay. J'ai envie de te dire, la plus simple, il y a des haches. Je pense que le timing, il n'est pas compliqué. Tu as fait level 3 corner, il y a des haches. La pire des choses qui puissent se passer, hein, il va 4S. Il va 4S, ou alors s'il a un perso ADP, il va DP. Bon, s'il y a un perso ADP, il faut faire gaffe. Mais si c'est un perso basique comme tous les autres, il met la garde ou il 4S. Ouais. Donc une fois que t'as fait ça, t'as repris de nouveau l'avantage. Donc quand t'as repris de nouveau l'avantage, là tu peux commencer à réfléchir. Ah vas-y, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de le presser, j'ai envie de faire un système, j'ai envie de faire un Dragon Rush, j'ai envie de bait un Switch, j'ai envie de bait un Spark, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, il faut que tu fasses la passerelle. Il faut que tu fasses la passerelle entre j'ai fait la level 3 et comment mettre en place un nouveau pressing. Et cette passerelle, c'est ce fameux hoki. Et ce fameux hoki, tu peux décider de le prendre de plusieurs façons. Et c'est pour ça que je t'invite à tester, en tout cas sur la suite. Si tu as des situations d'hoki, fais IADH. Si 4S, à ce moment-là, tu fais autre chose. Tu peux join le vocal vite. Attends, je finis White et après il y a pas de souci. Autre chose, qu'est-ce que j'ai noté maintenant? T'agresses trop et tu t'es trop fait avoir. Tu l'as dit, il voulait t'emmener sur certains chemins, que ce soit mid screen. Tu sais très bien qu'avec Gogeta, t'as pas de quoi approcher Kiblast, tout ça. Nanana, je t'en ai parlé là, hier quand on a joué ensemble. C'est hier ou avant-hier, je sais plus. Tu te jettes trop. Tu te jettes beaucoup trop. Et comme tu ne maîtrises pas très bien tes déplacements dans les airs, tu vas être tenté de faire des super dashs. Tu vas te manger des punitions. Ou alors tu vas être tenté de faire des full dashs au sol. Ce qui s'est passé plusieurs fois en plus.
quand je le mettais au sol, je dashais trop et il se relevait, il tapait juste. Ouais. Et ça, faut que tu fasses gaffe. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu n'as pas de moyen d'approche, joue posé, calme ton jeu. Ça sert à rien d'aller te jeter dans la mort, en fait. Calme ton jeu, t'as pas de moyen d'approche. Bon, bah, il faudrait peut-être que je trouve un moyen pour que ce soit lui qui vienne, en fait. Peut-être qu'à un moment, il va se lasser, le mec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'à un moment, le mec, il va se lasser. Bah, fais des taunts, j'ai envie de dire. Fais des taunts, charge du ki, montre que toi aussi, t'es dans le game, montre que t'es présent. Fais un truc qui sort du normal, j'ai envie de dire, pour, entre guillemets, dire, bah, le mec, il est en train de te troller et il attend que tu viennes. Bah, vas-y, moi aussi, je vais attendre. De toute façon, j'ai déjà perdu, donc autant attendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire vraiment aller à l'encontre du game plan de l'autre. Tu veux dire, tu veux jouer un game plan débile ? Bah moi aussi, je peux jouer un game plan débile. Mais dans tous les cas, je suis ce que tu fais. Ne montre pas un décalage. Là, si tu crées un trop gros décalage, ça risque d'être compliqué pour pouvoir suivre. Et derrière, tu vas manger des baits, tu vas manger plein de trucs. Là, on a vraiment senti que chaque fois que t'avais un perso, t'étais en galère. Que ce soit Jiren, que ce soit Gogeta, et tu t'en sors un peu mieux avec Janemba parce que t'as des outils. Mais quand t'as pas d'outils, t'es en galère. Ouais. Il faut que tu poses un petit peu plus. Fais très attention à l'utilisation de ton appel assist Janemba. Je te l'ai dit, t'as vraiment du mal à savoir comment l'utiliser proprement. Ouais. Ton appel assist Janemba trop offensif. Ouais, beaucoup trop offensif. Tu l'utilises souvent en fin de combo, mais alors que des fois il n'y a pas besoin. On voit souvent t'es dans des situations en mode autopilotage. J'ai fait une action, je fais appel assist Janemba, que le timing soit bon, décalé ou pas, j'ai juste fait appel assist comme si j'appelais Goku base. Mais c'est chaud. Parce que dans ta tête, on a le sentiment que tu crois que ça te protège de quelque chose, alors qu'en fait, bah, ça ne te protège pas, et tu vas manger un truc bête. Tu vois ? Tu vas manger un truc bête. Essaye d'entrevoir un petit peu plus ce qui se passe. Prends le temps de regarder ce qui se passe avant de voir si c'est nécessaire. L'assist Janemba, tu sais, je t'avais dit, c'est un peu comme assist Vegeta, tout ça. Tu ne peux pas juste la balancer et voir ce qui se passe. Ouais. Tu peux pas juste l'utiliser comme les autres assists. Elle est pas là pour créer un block string comme ton Jiren. Il faut que tu sois un petit peu plus réfléchi quand tu l'utilises. Tu l'utilises pour créer un bait en pensant que le mec va te taper et que l'assist fera le taf. Tu vois ? Mais je l'utilise pas je veux couvrir quelque chose en pensant que ça fasse block string. Parce que si tu réfléchis comme ça, tu vas manger des trucs débiles, des super dash perdus, l'assist sera pas sorti à temps, du coup tu vas manger un hit, tu vois, ce genre de trucs. Et dernière chose, ouais, il y avait un moment un petit peu compliqué en corner où il jouait beaucoup sur les décalages avec Kid Buu, t'avais Janemba, il me semble. À aucun moment, en fait, ton cerveau il s'est emballé. À aucun moment, tu n'as envisagé le guard cancel. Ouais, c'est vrai. À aucun moment, tu n'as envisagé le guard cancel. T'as gardé, t'étais perdu, t'as vu qu'il a reset. Et à un moment, t'as pris la mauvaise solution, t'as 4S. Puis après, finalement, il a reset. Puis t'as tapé, et puis ça a tapé en whiff. Tu vois, c'est à dire que là, ton cerveau il s'est emballé, il a tout perdu. Parce qu'en fait, à un moment, il était en train de me presser. Donc, il faisait son pressing, tout ça. Il était en train de stagger. Ouais. Et au moment où j'ai voulu guard cancel, j'ai mangé la trappe, tu vois. Et à partir de là, j'ai oublié le guard cancel de ma tête. Je me suis dit, ouais, c'est mort. Si je retente, je vais en manger une dinguerie et je vais manger une ouverture. Du coup, je suis resté sur la garde. Parce qu'en fait, quand il a fait le trap, il a tapé, il s'est arrêté et j'ai pu remettre la garde derrière, tu vois. Ouais. Et après, j'ai totalement oublié le guard cancel parce que je me suis dit, je vais en manger une dinguerie. Mais après, ouais, c'est vrai que je devrais guard cancel plus souvent quand je suis dans cette situation. Faut pas négliger toutes les options défensives. Malheureusement, après, c'est aussi un petit peu de la confiance et de la solidité dans tes fondamentaux. C'est que dès lors que tu as épuisé toutes tes ressources, en termes d'utilisation des outils des persos, bah tu vas sur les trucs les plus simples pour toi. Et là aujourd'hui c'est soit je tape soit je 4S. Ouais. Bah, aujourd'hui c'est ça. Dans ta tête c'est soit je tape soit je 4S parce que j'arrive plus à suivre le rythme qui m'est imposé. Donc ça demande aussi encore un petit peu de taf personnel.
Sinon, voilà, après, je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais c'est vrai que on a vu que tu avais tenté de contrôler un petit peu plus ton jeu. Ça s'est ressenti, tu as quand même fait de belles choses face à White. Mais, tu as encore trop ce côté je veux y aller, alors que parfois il n'y a pas besoin. Quand il faut y aller, des fois tu vas pas. Tu fais appel assist, ouais. Tu vas pas. Quand tu as l'avantage plus vanish, des fois tu backdash. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il y a des situations qui te sont favorables, tu saisis pas l'opportunité, et d'autres qui te sont pas favorables et tu vas tête baissée. Faut que tu retrouves le juste milieu, l'équilibre dans tout ça. D'accord. White Black, il voulait faire une short intervention. Monsieur, monsieur, je... merde, est-ce que je peux... Ah bah non, parce que... attends. On va faire une short intervention et après on y go, parce que je suis toc toc. Yo. Yo. Hop, je vais juste vous couper sur le stream. Bah, GG gros déjà. GG à toi aussi. Ouais, je voulais juste dire un truc. J'ai bien kiffé le début du match. C'est pour ça qu'après je suis parti un peu en trigger. Parce que t'as dit qu'il déchoppait bien, mais moi j'ai plutôt eu l'impression qu'il délémâchait énormément. C'est pour ça que j'ai commencé à le titiller là-dessus et à faire beaucoup plus de décalage, parce que ça m'énervait de voir des jabs sortir à foison un peu partout, même dans des moments où on se dit what the fuck. Et du coup, ça soulève le premier problème que j'ai ressenti, hein, c'est que du ressenti, c'est que sa garde est extrêmement friable, ouais. Dans le sens où la déchoppe n'est pas encore très sur la réaction pure, et que ça fuzzy mash beaucoup, quels que soient les persos qu'il y a en face et les staggers qu'il y a en face. Du coup, il n'y a pas je m'adapte par rapport à tel perso, je sais que ça peut être tel type de décalage, genre de truc, ou en mode ben non, je mets la garde parce que je suis sûr, hein, tu vois, ce que j'ai ressenti contre Jarrad, contre Wade, contre Chomp, contre ce genre de mec. Ouais. Et je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que comme c'est un peu autopilote, ça devient mauvais. Et c'est pour ça qu'on a vu des counter hits à un moment donné, je crois que t'avais Janemba, et t'as pris 3 ou 4 counter hits, ouais, même quand tu prenais pas un parlé coup, des counters, mais ouais. Même quand tu prenais le coup en hit, et je me dis, qu'est-ce que tu fais quand tu te fais taper, tu vois. Et du coup, je me dis, soit tu fais image, soit tu es en mode, putain, j'ai pris un coup, et tu te déconcentres et que tu oublies la suite du match. Moi, c'était très rare les moments où j'appuie quand je me fais frapper. Soit je maintiens le bouton et je me dis, je vais mourir. Non, ok. Il y aura peut-être un combo aérien, il y aura peut-être un drop, une mise au sol, il y a les barres. Enfin, je réfléchis à tout ça, tu vois. En n'omettant pas qu'il y a la possibilité de drop à plein de niveaux. Mais par contre, taper autant, ça m'a fait un peu trigger. C'est pour ça que j'ai commencé à faire le, entre guillemets, le con, et plus à te pousser dans autre chose, parce que le but, c'est de te pousser dans tes retranchements. Ouais. Et l'autre truc que j'ai repéré, c'était qu'il n'y a toujours pas la dimension spatiale de ton plan de jeu. C'est-à-dire, mon adversaire est à peu près vers là, je vais faire à peu près ça. Et j'en reviens sur les super dash. Tu en fais quasiment aucun. Si on compte tous les matchs, je crois honnêtement que tu en as fait 3 ou 4 grand maximum. Or que j'ai abusé sa maman de ça, et il n'y en a qu'un seul que tu as puni parce que tu avais bait le fait que tu avais fait appel assist et que je le faisais, ouais, comme un teubé. Mais sinon, tout le reste du temps, tu l'as jamais fait. Même par exemple, imaginons, tu as le Janemba qui touche en garde. Je suis en l'air. Qu'est-ce qui t'empêche de faire super dash parce que tu sais que l'adversaire a des chances de lui initier le sien et de dire non, je veux t'agresser absolument, je veux le coller. De toute manière, après, il n'y aura pas de mix-up de reprise de tour parce qu'on est tellement haut que l'adversaire ne pourra pas forcément reprendre son tour selon le match-up, genre de truc. Ouais. Et c'est extrêmement porté sur j'ai une façon d'approcher et je n'en sors pas tellement. Alors que de temps en temps, il faut au contraire rentrer sur boum, super dash, est-ce qu'il est prêt ou pas. Rien que ça, tu vois, il faut que tu forces l'adversaire à un moment donné se dire oublie pas, je peux le faire. Et là, ouais, j'étais en train de me dire, bof, Osef, quoi, parce qu'il est tellement en mode, ouais, je suis carré, faut que j'approche avec tel truc, machin et tout, que bon, super dash plus assist, ça vient pas très souvent. Du coup, c'est un peu dommage. Et le dernier point que j'ai relevé en attaque, c'est les
stagger, tu as commencé à en faire un tout petit peu avec, avec Jiren. Mmh. Mais c'est le seul que je vois s'exprimer dans ta team, tu vois. Janemba, pareil, pas de Soki Blast. Janemba, il a été assez inexistant. Bon, alors, Gogeta, je pense que tu viens de le prendre en main et c'est pas évident. Ouais. Et ça me permet de rebondir sur pourquoi Assist C avec, avec ses, sa Gin 4. Pourquoi l'Assist C avec Gogeta ? Ouais. Bah, au début, je testais la... j'étais parti sur la B, mais j'arrivais pas spécialement à jouer avec. Et l'Assist C, je la trouvais surtout pratique quand. Quand je, par exemple, je touche avec Janemba, avec l'Ki Blast à distance, je pouvais confirmer avec l'assist C directement. Ah yes. Et pareil pour Jiren, quand je fais le 5S, bah pareil, je peux confirmer avec l'assist C aussi. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu l'impression que tant que c'est pas des beams et le Broly Z de l'Ariat, c'est passable. C'est bien, mais c'est entre guillemets, c'est le second choix, tu vois. Il faudrait que ce soit extrêmement maîtrisé. Et pour plein de raisons, avec Jiren particulièrement qui est ton perso en 1, je trouve que l'assist B de sa Gin 4 fait plus le taf. Tu peux faire assist plus chop, le mec s'il saute en décalé, il y a des chances qu'il prenne l'assist B qui sort vite en hit, parce qu'il aura sauté en décalé, et il y a des chances qu'il prenne l'assist en garde, au pire, donc tu continues le pressing. La différence avec l'assist C, c'est que si tu t'en sers pour balancer la chop B comme ça, bon, ça revient d'ici 12 secondes. Et je sais pas à quel degré de maîtrise de ces 12 secondes tu te trouves. Alors que de mon côté, quand j'ai pas d'assist C, bon, je m'en bats les steaks parce que je sais temporer, tu vois, temporiser. Parce que tout mon plan de jeu est porté sur je fais ça, comme tu l'as dit, j'essaye de faire des actions en fonction et aussi de sortir de ce schéma de je fais ça pour je fais n'importe quoi de temps en temps, tu vois. Ouais. Et c'est là où, à mon avis, il faudrait que tu continues de taffer. Et le dernier point, hein, c'est vraiment, enfin, c'est en premier, mais c'est tu te fous de ma gueule. Prochain truc, donc tu taffes gros, c'est la défense. Vraiment, que tu te poses dans les matchs qui te font chier à te dire mais pourquoi j'appuie. C'est comme Majin et tous ces bugs là. À un moment donné, si vous voulez vous améliorer, il faut vous forcer après avoir fait des sessions contre des gars qui jouent bien les persos, à aller en training, à record les sessions offensives et à comprendre c'est quoi vos choix par rapport à ça. Tu peux pas faire des fuzzy match contre n'importe quel perso, contre n'importe quel joueur de la même façon. Contre Nono, je ne faisais pas match de la même façon que comme je joue contre Majin, que quand je joue contre Nono, que quand je joue contre toi, etc., etc. Tu vois. Moi, je sais que Gagayux, il faisait match tellement avec Trunks et Bardock que je ne réfléchis même plus. Je tape parce que je sais que lui, il ne s'adapte pas à ça. Et là, c'est le truc le plus flagrant, je trouve, dans ton plan de jeu. Où j'ai pas cette sensation que ok, il sait que moi je délay de cette façon, il sait que je délay avec ce perso là de cette façon, j'ai pas ça, j'ai pas ce feeling. Que j'ai quand je joue contre les mecs qui sont de mon niveau ou au dessus, tu vois, ou qui me connaissent. Les bugs, okay. Je vais vous interrompre. Voilà, mais moi j'avais fini. Merci pour toutes ces informations et conseils de White Black Sensei. N'hésitez pas à aller voter dans le sondage pour voir si c'est on aura cool. White Black dans l'édition spéciale du seul contre tous. Il va devoir réfléchir. Whoop whoop ou pas whoop whoop. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, merci pour les tips pour le frère. Ça fait beaucoup d'infos, mais c'est le but, c'est de te matraquer le crâne pour que derrière on voit ce que ton cerveau peut retenir et ce qui ne retient pas. Et du coup, tu seras obligé d'aller voir la rediff si tu veux progresser. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça y a pas de problème. Mais non, je regarde un peu le timing parce que du coup, ton dernier adversaire sera Silver Blades, le petit Silver Blades. Plein de bonnes attentions, toujours prêt à aider pour la commu. Ça fait deux fois que je l'appelle et il a dit il n'y a pas de souci s'il peut donner un petit coup de main, bien qu'il ait encore court demain et tout ça, donc il ne faut pas qu'il se couche tard. Je le remercie d'avance. Donc ce sera ton dernier ultime adversaire. Ça marche. Donc Saru, ça fait beaucoup d'infos. Maintenant, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis après, on débriefe calmement sur l'ensemble de la session, et puis tu nous diras ce que t'en as pensé, et puis voilà. Yes, ça y est, ça marche. Allez mon gars, vas-y, bon courage. Yes, merci. Sao gang gang, sao gang, sao banks banks. Allez, let's go, bonne chance. Bonne chance les refs, faites-nous kiffer. Moi je veux voir des setups nabas. Hein.
On va laisser Top Napa, nous, quel bail. On veut voir les setup là pas. Allô. Attention. Là, ce que j'aime bien, c'est que Saru, il a dit bon, c'est la dernière, faut que je joue sérieusement. Il joue sa vraie team, il a sorti Kefla. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, normalement, il devrait pas trop bégayer. Il connaît son perso. Gogeta, c'était voilà. Tu vois. White Black, tu méritais pas Kefla. Tu méritais pas Kefla, c'est pour ça. Il a dit ah, c'est Silver Blades. Ah bon, on va sortir Kefla. C'est ça la vérité. Vous voulez pas l'admettre. C'est ça la vérité, les frères. Pourtant, tu l'as donné des tubes, ça. Oui, ça. Eh, hey, cinquième ouverture, ça fait mal, hein. Putain, Saru, il a mis la garde quand même, dommage. Il a mis la garde quand même. Il a mis la garde quand même. Ok, ça claque le Spark, j'aime bien. On va se défendre. Allez, vite. Oh là là, le 2. Et attends. Ça, c'est le 3, chat. Voilà, dégoûtant. Oui, Black, il ne mérite pas. En plus, il tonne, donc ça sert à quoi de jouer sérieux. Chomp, toi, tu manques trop de respect. Tu manques trop de respect, frère. Moi, j'aime bien quand White Black, il taunt. Moi, j'aime bien. Ok, voilà, on est posé. Voilà, le saccage. Moi, j'aime bien quand il taunt. Parce que je sais qu'il essaye d'attaquer mon mental. Du coup, il faut que j'ai un mental solide pour attaquer encore plus son mental. Et lui dire, arrête tes conneries. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a bait! Bien vu! Punis-moi ça! Punis! Quoi? Ah bon? Oh my god, le vol! Oh le vol! Zo! Bien vu! Bien vu! Lecture de jeu sur 20 neutral! Il a dit ton Cyberman, on n'en veut pas! Oh, faut pas dropper ça! Bon. La propreté, hein. La propreté, hein. La propreté, où nous qu'a pas connaître. On n'a pas, hein. Bon. En plus, derrière, il y a Virus. Bon. C'est tiers, hein, by the way. Non, mauvais Garcancel ici. Ok. Il y a un setup. Yeah. C'est quel genre de setup? Bon. Bon. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de vous faire parler. Allez, ça au gang, ça au banks, banks. Ok, on a évité en neutral, dommage qu'on n'a pas réagi là-dessus. Je suis pas d'accord avec le forcément. Nous ne sommes pas dans la fatalité. Mais pourquoi tu sparks? Pourquoi t'as sparké là? Il a droppé. Bon, il est resté sur son intention, il aurait pu totalement confirmer. Oui, faut confirmer ça. Yes. Bégaye pas.
Justement, c'est fait exprès qu'ils sont. Travailler la dure. Oui. Merci, monsieur. Let's go. Ok, level 3. Bien vu. Comment tu me fais un Oki propre? Fais-moi un Oki propre. Il a une DP. Fais gaffe. Oui. Dommage, dommage. C'était bien fait, ça. On va mettre un pari là-dedans, mets un pari quelque part, non? Ah là 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 là. Ces tentatives sont pas mauvaises, mais on sent un petit peu de... un soupçon d'hésitation ou de respect ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon, devant, derrière. Simple, devant, derrière. Ok. Tu peux pas jouer ce genre de setup TP quand tu sais que t'as plus beaucoup de life. C'est moi ou on a le sentiment que c'est dur là? Là mentalement le cerveau de Saru il nous lâche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah je l'ai dit hein. Craquage mental. Envoie la sauce. Neutral, neutral. Pas d'assist, neutral. Faut pas bégayer. Oui, très très bonne réaction là-dessus. Allez, fais-moi un setup. Ok. Voilà, ça c'est bien. Neutral, attention back jump. Attention back jump. Trop de back jump. Ghost parquet. Ghost parquet. Allô. La prise de décision du Spark arrive trop tard. Ok. Level. Ok, on prend la level. Ok, gratuit, dégâts, gratuit. Il a une DP, comment tu gères ça? Il a une DP, frère! Comment tu gères ça? Vie bleue, merci. Avance pas, neutral, n'avance pas, t'as des projos, gros. Oh.
Il a cette barre, hein. Oh putain, il a besoin de choses prématures comme ça. Allez là, fais-moi un occupe propre ou crée le danger là, crée le danger. Voilà. Fais gaffe au saccage, t'as mangé la première fois. C'est bien ça, dommage, dommage, dommage. Il a appris tout à l'heure, mais il a pas pu bait quelque chose. Il voulait tout garder, je suis mort. Il voulait tout garder. Yes, c'est bien ça. Dommage qu'il ait super dash. Il t'a laissé vivre en répit. Saou, Saou, Saou. Aïe 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 aïe. Saou gang, Saou gang gang. Bon, GG, le GG. Merci. Remercie directement Silverblades hein, pour avoir joué le jeu. Nous ne prendrons pas plus de ton temps. Merci mon gars pour Saru Gang sur cette session. Et on va débriefer ça gentiment. On va débriefer ça gentiment. Et attends. Quoi? Allô? Ouais. Ouais. Ouais, GG Silverblades. Alors, comme vous voulez, honnêtement, s'il veut, on peut faire encore quelques-unes. Non, t'inquiète, l'objectif, l'objectif est, comment dirais-je, est atteint, en tout cas, sur le principe du seul contre tous. Après, si tu veux jouer avec lui, ça me regarde pas. mais en tout cas, merci à toi, Silverblades, d'avoir joué le jeu. C'est vrai qu'on a dépassé un peu le timing de ce que je t'avais donné pour ta présence. Mais en tout cas, ça fait super plaisir que tu aies accepté de participer à ce petit exercice-là. Saru, dis-nous tout. Eh, jouer contre Nappa. Jouer contre Nappa, c'est compliqué. Eh, le perso, il est compliqué. Non, son Nappa, il est incroyable. La vue d'homme, il est incroyable. Mais après, j'ai fait beaucoup de merde aussi. Ouais. Je pense que j'étais dépassé par ce qu'il faisait. Ouais. Et du coup, j'ai paniqué. À un moment donné, j'ai paniqué. Et j'arrivais plus à suivre. Ah. Entre ce que je voulais faire, j'ai réussi ma mission. Il a craqué. Entre ce que je voulais faire et ce qui se passait ce qui arrivait sur la manette, tu vois, c'était un truc d'ouf, c'était un fossé, tu vois. Ah, gars, c'était Wuhan. Entre le cerveau et la manette, c'était Wuhan. Ah, de ouf. Il y avait un gouffre incroyable. Ouais. Ouais. Mais justement, ouais, comme dit Silverblade, tu respectais beaucoup trop. Ouais. Tu respectais vraiment beaucoup trop. Et c'est ça d'ailleurs. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire. Mais j'ai plus eu le sentiment de reconnaître Saru sur cette game que sur les games précédentes, en fait. Parce que. Non, mais en fait, je t'explique pourquoi. Parce que t'es quand même quelqu'un de réfléchi qui essaye de s'adapter à la situation et qui essaie justement d'apprendre des infos que tu as des matchs précédents. Sur la première game, je t'ai dit, contre Sorceleur, j'ai l'impression que c'est bon, t'étais une pile électrique. En mode je veux tout gérer, je veux tout réussir. Deuxième game, elle était plus agressive, mais un peu plus contrôlée, vu qu'en face il y avait White Black. Mais on sentait quand même que voilà, tu voulais encore aussi montrer que tu étais capable, du moins montrer quelque chose pour être au niveau vis-à-vis de White Black. Et en fait, là, contre Silverblades, au-delà du fait que
tu peux avoir craqué mentalement parce que tu connais pas Nappa ou quoi. Bah en fait ton jeu il est redevenu posé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ton jeu il est revenu posé, il est revenu dans un mode. Ok, j'ai vu, il a fait DHC level 1, d'ailleurs Silverblade, il va falloir qu'on en parle. DHC level 1, into 5H, t'as mangé la première fois, la deuxième fois t'as pas mangé. Ouais, ça, quand il m'a fait ça, Ouais. j'ai dit, mais depuis quand tu peux faire des trucs Non, pareils moi sur je le savais jeu? pas. Perso j'aurais mangé aussi, tu vois. J'aurais mangé Le aussi. Mais. mix avec Nappa, là, Ouais, j'étais en total. j'aurais mangé aussi, tu vois. Mais t'as appris, tu vois. Et directement, t'as adapté. Et c'est ça qui, et c'est ça qui, c'est ça qui est bien. Ce qui est intéressant, c'est que t'as quand même gardé, cette fois-ci, on est revenu au plan de jeu de Saru, avec certes ses points forts et ses points faibles, de meilleures situations. Même si avant tu jouais Gogeta, bah là voilà, t'étais plus à l'aise parce que voilà, Keflas aussi ton perso que tu as le plus staffé avant. Beaucoup plus d'intention dans les Oki, ça s'est vu. Malheureusement, t'as pas dépassé l'intention. C'est-à-dire que t'as fait ta level, t'as fait ton Oki, t'as réussi à bait une fois, je crois, une ou deux fois, t'as réussi à bait une DP. T'étais en safe jump. Et après, derrière, bah, t'étais en mode je subis. Tu vois? T'étais en mode je subis. Et c'est ça qui est dommage, c'est que, c'est ce que je te disais, c'est que tu ne te laisses pas le temps de voir ce qui se passe. Ah, je vais absolument réagir par Tu veux rapport à ce que absolument j'ai fait. réagir, mais tu ne te laisses pas le temps de voir ce qui se passe. Ok, t'as voulu faire un Oki, il a décidé de taper ou quoi? Il y a même un moment. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un moment, il a tenté de te Dragon Rush avec Gogeta, ça a whiffé. T'avais tout le temps de taper, mais t'es resté sur ton intention de Spark. Je sais pas si tu te rappelles de la situation, c'était dans le corner. Il devait finir par Dragon Rush, où je crois que ça a whiffé. Et avant que tu sois dans la recover pour Sparker, t'es resté sur l'intention de Sparker. Alors que si t'avais juste regardé, derrière, il mangeait 2M large. Ouais, j'aurais pu Large, finir. même en bourrant LLL, il mangeait. Mais voilà, c'est parce que tu regardes. J'ai l'impression que. Tu ne regardes pas plus loin, en fait. Tu ne regardes pas plus loin dans ce qui se passe réellement pour se dire, ok, je vais vers le Spark, je vais vers la garde, je vais vers le 4S, je vais vers la tech, je vais vers taper. C'est, vas-y, je suis en galère, je vais sparker. Ah bah, regarde, son truc, il a whiff. Ah bah, trop tard. Tu vois un peu le truc, c'est vraiment trouver le juste milieu là-dedans. Après, le jeu de Silverblade, il n'a pas été spécialement agressif à mon sens. Il a plus été dans je te touche, je fais mes block string, je fais mon mix-up. Ouais, il a joué assez Il a été simple, simplement. simple et efficace. Il a dit je te touche, je fais mon block string, il y a un endroit, il y a mon mix-up. S'il passe, tant mieux. S'il passe pas, tant pis. Toi, tu as mis un peu de temps avant de faire ça. Il y a quelques moments où tu as réussi à le faire. Je voyais, ça balançait avec Kefla, nan. Bim bam boum, 2 3 6, non 2 1 4 L, assist, block string, je recontinue, bam bam bam, 2 1 4 L, assist, je continue, bam bam bam, j'ai plus rien, back jump. Non. Sauf, non, parce que t'as commencé à instaurer quelque chose. Le problème, c'est que derrière, bah, comme t'as vu que t'avais pas ouvert sur les deux séquences, t'as fait back jump, sur le deuxième back jump, t'as mangé une ouverture gratos. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le mec, il se disait, vas-y, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Ah non, c'est chaud, je repars. Tu vois? Mais au lieu de dire non, c'est chaud, je repars, va au bout de ton truc, repars pas trop loin, mets ta garde, regarde, est-ce que le mec qui te charge, est-ce que le mec qui saute, est-ce que le mec qui take, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Ne va pas, ne te dis pas, je vais, Simers au mot officiel, je vais. Comment on dit déjà? Partir en retraite, en gros. En gros, c'est ce que tu fais. Tu vas au front, t'as vu que c'est trop chaud, et tu recommences depuis le début. Non! T'as gagné du terrain, mon gars. Rentabilise le terrain que t'as gagné. Le mec, tu l'as poussé sur deux séquences, tu l'as poussé au corner. Et c'est ce que tu fais? Back jump, back jump, back jump. Pourquoi t'es dans cette optique-là, en fait? Parce que tu sais Ce que plus je me comment tu vas dis, ouvrir.
Ouais, en fait, je me retrouve sans outils, tout simplement. Ouais. Plus de solution. En fait, sans solution pour essayer d'ouvrir, parce que j'ai utilisé mes deux assists. Ouais. Elles sont pas revenues. Ouais. J'ai tenté le 5L shop. Il a réussi à déchop. Ouais. Après, je me dis, il me reste quoi pour ouvrir? En fait, concrètement, rien qui me permette de garantir une ouverture. Du coup, je recule pour essayer de prendre, entre guillemets, l'air, tu vois. Ouais. Et sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, je le laisse respirer. Je le laisse respirer et je me retrouve dans la merde par derrière. C'est... Alors qu'en vrai, j'ai la pression. C'est lui qui subit la pression. Alors même si j'ai plus d'outils, c'est lui qui subit la pression. C'est lui qui subit la pression. Il est dans le coin. Ouais. Il est dans le coin. Mais alors oui, ouais. Il va te dire maintenant tu peux plus me presser. Mais tu peux. Il y a une différence entre tu peux plus me presser, mais j'ai l'avantage situationnel et la position, et tu peux plus me presser. Et vas-y, laisse-moi le boulevard. Toi, ce que tu fais, c'est j'ai fini mon tour. Je pose une carte face cachée. À toi de jouer. Ouais, c'est ça. j'ai passé mon tour. J'ai placé madame là. Vas-y, c'est à toi de jouer. Je te regarde. Non, c'est ça marche pas comme ça. C'est t'as gratté du terrain. Il faut que tu rentabilises tout ce que t'as gagné au passage. J'ai gratté du terrain. Ok, je peux plus te presser longtemps dans le corner. Je fais à la limite un back jump. Je regarde ce qui se passe. S'il y a besoin de plus, je regarde ce qui se passe. Mais toi, c'est pas que tu fais un back jump et que tu regardes. C'est que tu fais back jump, back jump, back jump. Comme si tu voulais reprendre une zone de confort le plus loin possible. Mais chaque fois que tu fais un back jump, en plus, quand tu maîtrises pas bien la garde, tu manges une bêtise. Tu manges un assist n'a pas à la retomber. Tu manges un super dash. Tu manges un beam. Tu vois? Alors que t'as pas besoin. Il faut garder l'avantage en termes de position sur le terrain. C'est super important. C'est parce que tu montres aussi à l'adversaire que je suis toujours là. Je suis toujours là. Je t'ai pas ouvert, mais par contre, tu peux pas faire ce que tu veux. Ouais. Si le mec finalement il a vu qu'il peut respirer et qu'il décide de super dash, toi dans ta tête tu dois être prêt à punir au cas où. Donc je me dis, je me mets une distance d'un back jump. Vas-y, je reste au sol, je regarde, je temporise. Ouais, vas-y, j'y retourne. Ouais, non, vas-y, c'est bon, je recule un peu, tu vois. C'est ça, en fait. Je pense que t'as des bonnes intentions au début, mais derrière, y a plus la suite. Merci, Silverblade. Écoute, bon appétit à toi, bonne soirée. Encore merci pour ta participation. Et puis, on se dit à très vite. GG Silverblade, Cimer. En tout cas, faut vraiment, j'avoue, il aurait dû battre que moi. Toi, tu es trop loin dans le genjutsu du whoop. Non mais c'est vraiment dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression que ton cerveau il fonctionne par séquence et chaque fois il y a une remise à zéro. Chaque fois il y a une remise à zéro. Donc moi, ce que je peux te conseiller. Qu'est-ce que je peux te conseiller pour essayer de... Alors, moi, je vais te dire ce que je fais. Ça marche sur moi, en tout cas, à voir, à tester. Après, si y en a d'autres qui ont des tips dans ce sens-là, n'hésitez pas. Moi, c'est simple. Je mets l'IA en full bloc. Ouais. Je mets l'IA en full bloc. En fait, ça m'aide aussi à travailler mes patterns. De travailler la vitesse de pression que je veux mettre à mon adversaire pour voir si, au niveau de ma dextérité, tout se passe bien. Est-ce que j'ai toujours les bons timings de mes staggers? Est-ce qu'il n'y a pas des coups que je balance, des inputs qui ne passent pas? Tu vois, c'est ça aussi qui est important, c'est voir si quand tu presses, les inputs passent bien. Quand tu décales, est-ce que tu as toujours les inputs sur le bon timing? Est-ce que tu es capable de délayer au maximum? Est-ce que tu es capable de délayer au minimum? Tu vois? Et à force de travailler ça, en fait, tu fais tes mix-up. Tu déroules, bam, 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 block string, appel assist. Un peu de stagger, bam, 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 je déroule, appel assist. Direct, je fais mon setup Dragon Rush. Est-ce que je peux faire juste un décalage tout de suite, revenir avec un 5H? Bon, ça, c'est Piccolo qui me le permet. Mais tu vois, c'est-à-dire que j'impose un certain rythme qui me permet, entre guillemets, de toujours cadrer ce qui se passe. Okay. Je cadre ce qui se passe. Il faut pas. Toi, tu es encore à la phase du. Une fois que j'ai épuisé mes deux assists, je ne peux plus rien faire. Or, c'est faux. C'est faux. Techniquement,
tu ne peux plus, on va dire, mixer de manière gratuite ou de manière safe avec un assist, mais tu peux toujours mettre en place des staggers. Tu peux toujours mettre en place du conditionnement. Tu peux toujours bait des choses. Tu le fais bien, de temps en temps, tu backdash. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si tu sais pourquoi tu backdash. Est-ce que tu le fais de manière automatique ou est-ce que tu le fais parce que tu attends quelque chose? Non, c'est de manière automatique. Genre, c'est comme une sécu, tu vois. C'est comme une sécu. Je me dis, vas-y. Ouais, c'est comme une sécu. Genre, j'ai fait ce que j'ai fait. Enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire, etc. Ouais. J'ai plus d'outils. Ouais. Enfin, le fait que j'ai plus d'outils, je me dis, vas-y, je peux être en danger. Du coup, je recule. Ok. Entre guillemets, bah, c'est clairement ça. Je recule. Et mais je prends pas le temps de voir ce qui peut se passer, comme t'as dit tout à l'heure. Je prends pas le temps de voir ce qui peut se passer. C'est je recule pour reculer, mais derrière. Enfin, ouais, il y a rien qui suit, tu vois. Parce que, genre, je recule, mais genre, je pourrais très bien faire, par exemple, car arrière elle avec Kefla, ouais, pour tenter d'ouvrir en low et après je peux vanish, tant pis. Au moins, j'ai une ouverture. Mais ou juste reculer et attendre si le mec est super dash ou quoi que ce soit. Mais en fait, je recule juste pour reculer, quoi. Je sais pas comment je peux dire ça. C'est pas. Moi, j'ai même pas de mots en vrai pour. En fait, c'est con ce qu'il dit White. Mais en gros, si tu recules, il faut que ce soit une décision. Prévoir quelque chose en fait. Ouais, voilà. C'est pas mais en fait, faut que ce soit une décision. Faut pas que ce soit un automatisme. C'est. J'ai décidé de reculer parce que je suis en train de temporiser et que je veux bait quelque chose. Je veux voir comment il va m'approcher. Est-ce qu'il va m'approcher en super dash? Est-ce qu'il va dash? S'il dash et que j'ai pas le temps de réagir, je vais mettre la garde. Ouais. Tu vois? Mais au moins, je me laisse le temps de voir quelque chose, tu vois? Reculer en moonwalk, les mecs qui font ça, c'est pas pour rien. Les mecs qui reculent en moonwalk, c'est tout simplement parce que comme tu es dans une vitesse légèrement plus lente que la situation où tu étais en pressing, le mec il se dit qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il prépare, tu vois, il est en train de m'agresser, tout d'un coup il m'agresse plus, on dirait qu'il attend quelque chose. Ok, j'y vais, et là bim, je mange punition de hache. Ou alors on dirait qu'il bait un switch, ah bah merde, non je vais pas switcher, attends je vais voir. Et en fait tu vois, cette fraction de seconde où tu vas reculer, c'est la fraction de seconde où tu lui envoies l'info en mode « Vas-y, j'attends. Il se passe rien. Tant mieux, je retourne neutral. » Et pendant ce laps de temps, ton cooldown d'assist, il est en train de revenir. Ou alors, bah, il décide de prendre une décision à ses risques et périls. Soit tu auras de quoi punir, soit tout simplement, bah, tu te retrouves dans un pressing à devoir mettre la garde. Mais c'est des trucs qui sont décidés, des trucs qui sont choisis, pas des trucs que tu fais de manière auto. Ok. Donc, si je résume, au-delà du fait que ce soit un petit peu compliqué mentalement versus Silver Blades, hein, mais c'était aussi un peu l'objectif, pour aussi te forcer à revenir à des trucs un peu plus simples, j'ai envie de te dire, ton gros souci se situe sur beaucoup de situations autopilotes. Beaucoup de situations autopilotes, il faut que tu forces ton cerveau à aller plus loin les simples situations hockey, pressing et tout ça. Commencer à te poser les questions, il faut que tu te poses les questions en amont, pas pendant le match, parce que sinon c'est un peu compliqué, c'est là que tu sais pas trop quoi faire et ça devient trop tard. Je me retrouve dans une situation, j'ai épuisé toutes mes ressources, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide d'attendre? Est-ce que je décide de me suicider? Est-ce que je décide d'oppresser? Comment je temporise? Est-ce que je temporise au sol? Est-ce que je temporise dans les airs? Toutes ces questions-là, tu dois te les poser en amont, de façon à ce que quand tu sois in-game, en fait, tes choix soient quasiment déjà faits. C'est tes choix qui doivent être en auto. C'est pas je me laisse guider par mes doigts. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est tes choix qui doivent déjà ce qu'on appelle la mémoire musculaire, en fait. C'est tout simplement, je sais que dans telle situation, je fais ça. Donc du coup, si tu le sais que tu fais ça, bah tu vas le faire de manière auto, ce qui te laisse plus de temps pour te concentrer sur tout le reste. D'accord. Ça, c'est le premier truc, l'autopilotage à régler. Revoir les staggers. Revoir les staggers, ça c'est important, que ce soit, quel que soit le perso,
Hein. On a parlé beaucoup de Jiren, mais quel que soit le perso, tu dois revoir tes staggers, tu dois revoir tes décalages. Au niveau, les options défensives, j'ai pas vu énormément de 4S, mais chaque fois que t'en as fait un, il était souvent pas bon. Ouais. Donc t'en as fait beaucoup moins, c'est une bonne chose, mais chaque fois que tu l'as fait, il était généralement pas bon. Donc, revoir les options défensives, aussi bien guard cancel, 4S switch, les techs, ce genre de trucs. Revoir les timings appel assist Jenemba. Ça, c'est trop important. Parce que tu l'utilises trop à tout va, trop de la même façon, et ça te dessert plus qu'autre chose. Et je pense qu'avec ça, déjà, c'est déjà pas mal. Parce que t'as une bonne lecture de jeu, tu sais t'adapter, tu sais être agressif, donc ça veut dire que t'as aussi du répondant. Mais du fait de tous ces outils non maîtrisés, tu pars un petit peu à la guerre avec une épée en plastique, quoi. Ouais. Tu vois, t'es un peu en mode de, t'inquiète pas, je vais vous niquer, mais t'inquiète pas, j'arrive, t'inquiète pas, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. C'est, on voit que t'es chaud, mais. Mais vas-y, essaye de me faire peur quand même, tu vois. Quand tu me dis que t'es chaud, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que t'es chaud. J'ai pas juste envie que tu me dis juste je suis chaud. C'est moi, quand je joue contre ton Jiren, j'ai envie de me dire putain, son Jiren il me casse les couilles. Mais j'ai envie de me dire son Jiren il me casse les couilles. J'ai pas juste envie de me dire Jiren casse les couilles comme tous les Jiren. Ouais. Tu vois, moi quand je sais que je joue contre le Jiren de White Black, je sais que je joue contre White Black. Quand je joue contre le Jiren de Chomp, je sais que c'est pas le Jiren de White Black, je sais que je joue contre Chomp. Donc quand j'ai envie de jouer contre toi, j'ai pas envie de dire que je joue contre un Jiren lambda. J'ai envie de dire que je joue contre le Jiren de Saru. Et je sais pourquoi je dois avoir peur de Saru dans telle situation. C'est ça en fait. Faut que tu trouves ton identité avec le perso, que tu sois pas juste classique dans les staggers. Et t'as commencé déjà à trouver un petit peu comment l'utiliser en neutral. Tu viens d'implémenter petit à petit les staggers. Tu l'as trouvé, t'as trouvé ton petit truc dans la team. Maintenant, faut approfondir ça. Ok. Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Sinon. Non, même. Non, pas spécialement, non. Moi, okay. J'ai rien en tête là tout de suite, je t'avoue. Donc, écoute, GG quand même, hein. GG quand même. Ah, merci. Il y avait de bonnes choses. Hésite pas si t'as des questions. Remate les choses vraiment à tête reposée. Ouais. Remate surtout les situations, tu pourras retrouver, il y a des clips qui ont été faits par les gars du chat en cherchant les clips enfin, là où tu sais. N'hésite pas à poser des questions, que ce soit à Sorceleur, White ou moi-même, ou même Silverblades à l'occasion. Mais je pense que voilà, avec un peu plus d'approfondissement, moi je te l'ai déjà dit, il y a des chances que tu t'as encore une marge de progression là que t'as pas exploré, il y a encore une bonne marge là. Là t'es encore un peu gentil. Non, il y a encore une bonne marge, c'est vrai. C'est pas des conneries. Ah mais tant mieux. Ouais. Je pense que quand tu vas commencer à prendre en compte, cette marge, ah, tu vas kiffer un peu plus. Voilà, mon gars. En tout cas, Cimer, hein. Cimer à tous. Ouais, ouais, ouais. Pour les chips, etc. Ça fait plaisir de ouf. Ça fait plaisir de ouf. Voilà mon gars, bah écoute, passe une bonne soirée, hein. Puis aussi. Puis on se dit à plus tard. Hein. Ouais, ça marche. Yes, aïe. Merci. Vas-y, ciao ciao, Saron. Yes. Bon les refs.